Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Donc, sujet du jour, vaincre sa timidité, sa peur et surpasser la confiance en soi. Est-ce que tu es timide de la vie de tous les jours? Ah, ça m'arrive sur certains. Ça dépend après les circonstances. Cas de figure, ouais, ouais. Les circonstances, les cas de figure, ça dépend. Ouais. Est-ce que quand tu es, qu'est-ce que tu éprouves quand tu es timide? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben, physiquement, qu'est-ce que tu chaleur, transpiration, enfin une montée de transpiration affolante. Alors on parle de voix tremblante. Est-ce que tu trembles? Est-ce que ta voix tremble? Non, je tremble pas, mais voilà quoi. Je me mets vite à suer de toute façon. Voilà, c'est la panique quoi, de toute façon. Tes joues sont rouges après? Non, je pense pas. Tu rougis? Non, peut-être pas. Quand t'es timide, tu ne rougis jamais? Je sais pas. Je me suis jamais vu rougir, donc je peux pas te dire. Je t'en prie, hein. sauf quand tu prends du vin rouge, on sait jamais, hein. Bon, on parlera pas du pastis. Non. Mais sans commentaire. sachez que près d'un Français sur deux reconnaît être timide. Ah. Ah oui, c'est énorme. C'est pas vrai. C'est énorme, et puis bah c'est un peu normal. Après c'est naturel quoi, je veux dire, la timidité, c'est quelque chose de naturel. Alors cette peur du regard de l'autre aussi qui peut gâcher la vie d'autrui. Les trucs pour vaincre la timidité et retrouver donc cette confiance en soi, je vais en parler tout de suite. Alors la confiance en soi, c'est l'une des qualités les moins bien partagées. Si certains en ont beaucoup trop, d'autres en manquent cruellement. On entend du bruit derrière. Est-ce que ça en fait du bruit derrière sur la place, hein. Alors, rougir derrière, rire aux larmes, bafouiller sans raison, voire rouge. Nos émotions nous assaillent et parfois nous bousculent sans que nous ne puissions rien y faire. Et pour ne pas gonfler les rangs des émotifs anonymes, il vaut mieux apprendre à les apprivoiser. À tout moment de notre vie, nos émotions surgissent et parfois même nous submergent. Nous éclatons de rire. Tu éclates de rire quand t'es timide? Non. Ou alors c'est peut-être pour camoufler ta timidité peut-être. Il y a timide et timide quoi, je veux dire, il arrive un moment donné où bon tu te dis bah il faut se lancer et puis bon ben tu prends ton courage de main puis en avant quoi. Alors on se met en colère parfois aussi. Bon, je crois que c'est une forme de protection peut-être à la limite. C'est ça. Parfois on est triste et surtout on peut avoir surtout peur. Ça c'est tout ce qui est phobique. La plupart du temps, c'est quand on refoule nos émotions qu'elles nous tyrannisent. Pour gagner en équilibre émotionnel, les reconnaître et les exprimer reste sans doute le meilleur moyen pour ne plus en être victime. Du point de vue physiologique plutôt, c'est un phénomène spontané et bref qui dure environ 6 secondes, c'est rapide hein, quand même hein, qui se produit dans notre corps. Tu étais au courant, ça? Non. Ça dure 6 secondes. En fait, on parle d'émotion. C'est hallucinant parce qu'on dit que ça dure 6 secondes, mais quand tu l'as, t'as l'impression que ça dure une éternité. Quoi. Alors, côté physiologique, t'as une augmentation du rythme cardiaque. Mm-hmm. Tu as une augmentation du débit sanguin. Tu éprouves de la transpiration, mm-hmm. des rougeurs, des tensions musculaires et mimiques faciales aussi. Oui, c'est possible. Alors à la fois timide et ou la peur, hein, c'est peut-être les deux. Les neurobiologistes précisent que l'événement qui nous touche arrive au centre du cerveau, dans le système limbique exactement, c'est le siège cérébral de nos émotions. Puis il le met en corrélation avec les départements intelligence et souvenirs et grâce à des neurotransmetteurs, la réexpédie vers le système neurovégétatif. Je vais y arriver aujourd'hui avec la biologie, c'est génial. Vers le système neurovégétatif et voilà pourquoi nous rougissons et on blêmit aussi. Mmh. C'est à cause de ça. Donc c'est le cerveau en fait qui fait ah ça. Ah oui, c'est le système nerveux qui fait tout le travail quoi. Alors maintenant je vais te faire des situations. Tu vas me dire ce que t'en penses. On va voir si d'abord un ou deux si c'était arrivé et comment tu réagirais. Première situation, on dit ton boss. Je vais faire en vous vraiment. C'est marqué. Votre boss vous fait une remarque sur un dossier, vous paniquez et vous vous mettez à bafouiller. Comment tu réagis? Comment ça se passe, ça? Non, généralement, j'ai pas eu le cas de dossier ou quoi que ce soit, mais bon, oui, c'est arrivé de faire des erreurs sur certains lieux de travail.
Bon, après, nos paniques, quoi. Tu ne paniques pas si tu fais une remarque sur un dossier, tu assumes, c'est ça? Ah oui, complètement. Ouais. Ah, t'as pas de peur et t'as pas de, timide, non, mais t'as pas de peur qui réagit. Non, à moins que ce soit une grosse connerie, quoi, je veux dire. Après, bon. Parce qu'apparemment, face à cette situation, en général, l'émotion, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que ça peut être possible? Oui, bah, se dire que, ouais, finalement, on nous a confié une tâche et puis, on n'est pas à la hauteur, tout simplement, hein, donc, après, écoute, l'erreur reste humaine et puis il suffit d'en tirer les bonnes conclusions et ne pas la reproduire. Deuxième situation, vous roulez tranquillement en voiture. Toi qui roules, je sais pas si tu roules tranquillement, sans commentaire. Enfin, je t'explique la situation. Vous roulez tranquillement en voiture. Si un malotru vous double, vous devenez un vrai charretier. Non, je suis pas. Alors, on a eu une situation un peu, puisqu'on parle sur la route, c'est hier. Hein, c'était hier, ouais. Donc, on a eu cette situation. J'avoue que là, j'étais vraiment en panique parce que quand j'ai vu cette voiture arriver à une vitesse énorme derrière moi et puis qui s'est permis de freiner et de faire crisser ses pneus, ouais, là, ouais, j'étais vraiment en panique totale, quoi. J'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai le rythme cardiaque qui était à 160. Et les mains moites, les tremblements, voilà quoi, j'étais franchement pas tranquille quoi. Alors l'émotion qui serait là-dedans, ça serait une colère excessive, je te rassure, c'est ce que t'as eu hier. On va pas dire les mots que t'as dit, ça non, ira, non, mais... c'était très mal poli. Très 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 mal poli, mais bon, on épargne ça, mais en tout cas la colère excessive y était. On a d'ailleurs traité de tous les noms d'oiseaux, un automobiliste même en tort est un signe de frustration mal gérée. Est-ce que t'as ressenti ça hier? Non, j'étais pas frustré, non, mais en colère, oui, forcément, parce que bon, je veux dire, j'étais largement visible, voilà quoi. J'étais plus en colère sur ce qui s'est passé, quoi, en fait. Il y a un psychothérapeute qui dit que soi-disant que ça vient de l'enfance, cette colère, qu'on a du mal avec les limites, et que alors que la voiture est un lieu idéal pour se défouler. Est-ce que c'est un lieu pour toi qui a des échappatoires ou pour te défouler la voiture? Ouais, non, pas du tout. Non. Ça te permet pas de t'évader, de te défouler, d'évader? Si j'ai besoin de me défouler, je sais comment me défouler. Non, après, si je prends la voiture, ouais, évasion, forcément. Après, c'est pas forcément pour me défouler, quoi. Il faut aussi, vous y résoudre. Vous n'aurez jamais la route pour vous seul. C'est l'occasion d'en prendre conscience et d'apprendre à gérer votre frustration et à vous dominer. C'est ce que dit le psychothérapeute face à cette situation. Bon, après, moi, la situation d'hier, j'ai pas pris la route pour moi, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Puisque j'étais à 40 km/h pour une fois que je roulais pas vite. Sur une nationale, hein. Bah oui, parce qu'on cherchait un endroit, donc, bon, voilà, quoi. Ok, donc là-dessus, la colère, on est d'accord. Et pour le reste, sur l'explication du psychothérapeute, non, ouais, okay. Non, moi, je suis pas forcément ça. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Ok, donc troisième situation, c'est en plein dîner maintenant. Mm-hmm. En plein dîner, tout le monde s'épanche sur ses souvenirs d'enfance ou d'enfant. Les émotions coulent à flot. Pas vous, vous ne ressentez rien, c'est un peu l'angoisse. Oups. Non, ça m'arrive jamais, ça. De rien ressentir, justement, ça, il y a toujours. Il y a toujours un gros moment d'émotion ou enfin voilà quoi. Eh ben, c'est bizarre, moi c'est ce que j'éprouve parce que moi j'en parle pratiquement pas de mon enfance et ça me fait rien du tout en fait. Ça c'est même quand on parle maintenant des sujets de la famille, bien sûr que ça me touche, bien sûr il y a un manque, mais évidemment ça me touche pas plus que ça finalement de parler de mon enfance. Et en plus, est-ce que tu m'en as déjà entendu parler? Non, jamais. C'est quelque chose que j'évoque jamais et non, ça me touche pas. Alors on parle de l'émotion en jeu, c'est un déni des émotions. C'est ce que justement. Alors si on n'a pas de souvenir d'émotions positives ou autres, c'est que l'expression de vos émotions enfant a été contrariée. Est-ce que tu as été contrarié pendant ton enfance? Oui, mais bon, ça m'empêche pas de parler de mes souvenirs d'enfance sans problème, quoi. Par exemple, il a pu arriver que l'un de vos parents vous incite à ne pas trop pleurer, votre cobaye qui vient de calancher, ou de vous calmer quand vous exprimez votre joie avec trop d'entrain. Non, ça non. Ça non. Maintenant, justement, on m'a toujours laissé libre cours. Quoi. Et à force, tu vois, à force de gérer cette émotion quand on est en enfance, mais adulte, une fois adulte, on a le choix de renouer avec ses émotions. Donc c'est un choix en fait en étant adulte. Donc soit on le renoue, soit on le renoue pas. Ou alors, t'éprouves rien du tout, quoi, en fait. Alors, si je vais plus loin, parce qu'on parle en plein dîner, si je parle, on parle des souvenirs d'enfance. Alors, je vais peut-être aller plus loin, parce que je crois que je n'ai pas ce sujet. Si on parle de famille, allons-y, soyons fous. Bah après, si on parle famille, bon, il y a toujours un vécu, de toute façon, selon la situation. Moi, quand on parle famille,
si on parle de mon père biologique, par exemple, ouais, bon, ben, voilà, quoi. Alors là, c'est un cas personnel, voilà. Comme on dit, c'est du cas par cas. Voilà, c'est ça, ça. Moi, pour moi, ça va pas plus me toucher que ça. Pour X et Y raisons. Après, oui, si on vient à parler de ma famille d'accueil, par exemple, là, oui, c'est tapé quand même dans de l'émotion pure et dure. Bah, il y a une chose, je vais être obligé d'en parler comme ça au moins, au cas où si elle m'écoute, on ne sait jamais. Moi, on me dit souvent, c'était même hier soir, d'ailleurs, parce que je crois que c'est même Angélique qui m'a posé la question hier soir, parce que parce que demain, ça va être la fête des mères. Je sais pas si tu es au courant. Demain, c'est la fête des mères, mais je vais rien ressentir demain. On m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit, bah, j'ai pas de mère. On me dit, pourquoi t'as pas de mère? Bon, voilà, je vais pas donner des détails, pourquoi, des détails, tout ça. Et après, on va me dire, après, en échange, après, c'est la réaction des gens. Je pense que toi, tu le diras souvent. On dit souvent, t'as qu'un père, t'as qu'une mère, tout ça. C'est la réaction, forcément, retour. Mais la réaction bien connue de tout le monde, quoi. Je veux dire, y a pas une personne qui ne pourra pas te dire ça, quoi, je veux dire. Après, mais ouais. Le problème, c'est ça que je comprends jamais avec les gens, c'est que comment on peut se permettre. Il y a des gens qui disent ça, alors qu'en fait, avant de dire ça, faut d'abord comprendre les douleurs et de l'intérieur des personnes, ces émotions justement, du pourquoi. Alors c'est pas parce que les personnes qui ont cette vie facile, gentille, mignonne avec la famille, tout ça, pour eux c'est facile de dire ça. Mais pour ceux qui ne vivent pas, par exemple, ce que moi je vis au niveau familial, d'abord faut comprendre, il faut se mettre à la place de l'autre. C'est un petit peu ce qu'on avait fait hier soir, d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Il faut se mettre à la place des autres. Est-ce que toi, tu te mets à la place souvent des autres pour comprendre ou est-ce que tu restes toujours dans tes positions? Non, alors je reste. C'est très rare que je reste dans mes positions. Après, pour moi, c'est plus un défaut qu'autre chose parce que ça me fait mal. Et j'ai tendance, ouais, à me mettre à la place des autres, donc à ressentir un peu leur souffrance, et ça fait mal, quoi, je veux dire, parce que bon, on a tous des situations différentes, et puis finalement, dans ces situations différentes, il y a toujours des concordances, en fait. Donc du coup, c'est ce que je t'ai expliqué hier soir, c'est que, voilà, toi, tu t'es construit, tu vois, c'est ce que je te disais hier soir, toi, tu t'es construit sans personne, sans qui que ce soit. Moi, je me construis, bon, parce que j'ai encore ma mère, donc je m'aide de ma mère, tout ça, et voilà, c'est deux choses différentes, mais après, on n'est pas si différents que ça, quoi. Je veux dire, on a des souffrances qui sont quasi identiques, quoi. Je veux dire, même si on a un parcours de vie complètement différent. C'est ça, voilà. C'est ça qu'il faut se mettre aussi, c'est que chaque personne a un parcours et un vécu différent, quoi qu'il en soit. Tout le monde n'a pas forcément le même vécu. Et ce que je comprends pas, c'est que les gens, on va dire, par rapport à leur vécu, ils transmettent ça en disant, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut ci, il faut là. Non, chacun a son vécu, mais après, on peut pas imposer ou demander à la personne d'être au niveau du vécu de... C'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'avances pas, et puis, voilà, quoi. Et puis, il arrive un moment donné dans sa vie où, il faut faire de ses souffrances aussi une force, quoi. En parlant d'émotions, est-ce que ça t'arrive de... Parce que moi, c'est ce qui m'arrive, honnêtement, et ça, je crois que c'est ce qui me coûte cher au niveau des nerfs aussi, c'est est-ce que ça t'arrive de ne plus jamais pleurer? Non, je suis trop émotif pour ça. Trop émotif. Ouais, moi, c'est le contraire. Je suis quelqu'un de très émotif. Ouais. Moi, c'est devenu le contraire. Aujourd'hui, ça doit faire je sais pas combien de temps que je ne pleure plus. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien, mais... voilà, c'est peut-être parce que peut-être est-ce que c'est le fait qu'il y a trop à la limite trop subi qu'aujourd'hui voilà j'arrive plus à je sais pas c'est pas si bizarre enfin et le rire bon ça évidemment toi ouais. Avec ton humour on est d'accord voilà quatrième situation votre collègue de bureau affiche souvent un petit air de chien battu vous l'évitez soigneusement est-ce que c'est le cas non je n'évite pas bon après je vais pas être constamment auprès de lui peut-être pour lui dire ouais tiens qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe et tout souris à la vie ou des trucs comme ça quoi. Alors ça c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font l'inverse de toi, c'est qu'il y en a qui évitent la tristesse des gens. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est triste et eh bien il y en a qui l'évite parce que C'est ça, le négatif ça plombe celui qui a pas de morale, ça va plomber un peu l'équipe quoi entre parenthèses. Après moi je dis que c'est bien par exemple dans une équipe t'as quelqu'un qui est peut-être au plus bas parce qu'on peut pas être toujours au top, c'est bien d'avoir une personne qui est là pour rebooster les personnes qui sont dans le négatif quoi. On dit que la tristesse est une bonne chose parce qu'elle favorise une restructuration de la vie en fonction d'une perte. Qu'est-ce que t'en penses de cette phrase?
Moi, mais après, bon. En gros, on va peut-être dire différemment cette phrase. On l'a même dit hier soir. C'est que quelque part, les faiblesses que tu rencontres, ça en devient une force. Ah oui, totalement. C'est un petit peu ce que tu as dit hier soir, d'ailleurs. C'est ça, totalement. Et c'est un peu le même truc, en fait. À moi, toute faiblesse, j'en fais. Enfin. Dans quel sens? Dans tous les sens, quoi, je veux dire, j'essaye de me dire, bon, bah, écoute, ouais, ok, c'est bon, t'as perdu ci, t'as perdu ça, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, bon, bah, écoute, voilà, ça fait partie de la vie, bah, il faut se rebooster et il faut repartir de l'avant, quoi. Mm. Ne pas se laisser abattre, quoi, je veux dire. C'est pas se laisser envahir par le chagrin, par, on perd tous les jours des personnes proches ou des amis, des voisins, etc., etc. Ça fait mal, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Bon ben, il faut pas. Alors là, justement, là, je reviens à ce que je viens de dire. Tu dis ça, mais est-ce que tu penses, il faut se mettre aussi on revient sur du cas par cas. Quand le chagrin est trop lourd et trop fort, on peut pas dire à une personne, bah écoute, ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien d'être triste. On peut pas dire ça. Non, on a des. Tu peux pas empêcher une personne de ne pas pleurer, etc., etc. Après, faut pas que ce soit non plus trop. Continuel, quoi, je veux dire, c'est-à-dire que, comme on dit, quoi, il y a le moment de chagrin, et puis, bon, bah, après, faut aller de l'avant aussi, quoi. C'est ce que j'ai expliqué un petit peu quand j'en ai parlé hier soir à mon homme, quoi. Mm. Je lui dis, voilà, je lui dis, tu perds quelqu'un de ta famille, bah, ouais, c'est triste et tout, il y a un moment donné où, bah, il faut arriver à faire le. Faut faire le deuil, ça dure. Hein. Faire le deuil, c'est jamais évident de faire le deuil, mais. Allez, D'aller de l'avant quand même, quoi. Très bien. Alors, je vais te poser une question qui tue. Demain, tu apprends que je suis mort. Bah, merde. Fais chier. Non, mais voilà, quoi. Je veux dire, je le dis honnêtement, ça me fera chier, tout ça. Donc, je vais avoir un moment. T'as les toilettes pour ça, je te rassure. Non, mais j'aurai du chagrin, j'aurai de la peine, tout ça. Mais bon, après, voilà, la vie continue. Tu me dis ça, oui, c'est ça. Non, c'est. Je suis réel. Bah, regarde, quand Sandrine est partie, il y a eu ce gros moment de tristesse et tout. Bon, ben, au bout de 2 jours, bon, ben, écoute, il faut savoir se reprendre et aller de l'avant, quoi, je veux dire. D'accord. C'est pas parce qu'on ne pleure plus la personne qu'on l'oublie, quoi. Donc, je veux dire, après, il faut continuer à vivre, quoi. Et justement, se dire que la vie, elle est trop courte et qu'il faut en profiter au maximum. Cas de figure, on dit dans les dîners entre amis, tiens, ça me rappelle hier soir, dans les dîners entre amis, vous ne pouvez pas vous empêcher d'amuser la galerie. Monsieur Lionel, bonjour. comment transformer une tristesse en joie de vivre, en fait? Comment c'est possible, ça? Bah, après, dans un dîner. Après, je sais pas, c'est peut-être le fait qu'on est entre amis et tout, qu'on veut toujours qu'il y ait cette bonne ambiance, ce bon truc. Et quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a un peu le moral dans les chaussettes, eh ben, t'es là, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, et puis toute connerie est bonne à. Toutes les conneries qu'on va pouvoir sortir, ça va marcher, quoi. Alors là aussi, il y a plusieurs cas de figure. Soit la personne est vraiment dans son truc et puis il accepte pas l'humour. C'est ça. Soit il est ouvert, soit il est open et qu'il accepte l'humour. Et puis voilà, vas-y, il rentre dans le truc et c'est terminé. Voilà, par exemple, si on prend le cas d'hier soir, bon, il y a eu un moment de flottement dans la soirée. Mm-hmm. Bon, bah après. C'est vite revenu à la normale, quoi, on va dire. Hein, mais grâce à quoi, surtout? Hein, bah, grâce à la bouteille, non, c'est ira. Ah ben, moi, oui, bah, ça a aidé dans la soirée aussi. Quoi, alors, justement, est-ce que... On va un petit peu de prévention. Est-ce que, franchement, l'alcool comble la tristesse? Non, ah bah, bien sûr que non. C'est pas l'échappatoire. Hein, ça n'a jamais été un échappatoire, bien au contraire. Voilà, bon, moi, je sais me résoudre, quoi. Il y en a qui se comblent, il y en a qui se comblent ça avec l'alcool, hein. C'est ce que je disais hier soir, je sais plus à qui j'ai dit ça, je disais, mais, ne prends pas l'alcool comme un échappatoire. J'ai dit, c'est loin d'être un échappatoire. Ça te fait oublier, mais c'est un laps de temps. Après, tu reprends, quand les effets disparaissent, mais tu récupères cette tristesse, mais fois deux, quoi. Donc voilà, quoi. Donc non, faut justement pas se servir de ça comme échappatoire. On parle aussi qu'on peut se protéger en faisant de la joie. C'est-à-dire on peut cacher sa tristesse alors ça, je pense que ça t'arrive, ça. C'est quasi sûr que en te connaissant, c'est ça. C'est que souvent tu fais des formes d'humour pour cacher ta tristesse et tes angoisses. Ça. Parce que justement, vu que ça va être une faiblesse pour moi, ben, je vais m'en servir comme une force. Donc je vais ou en cachoterie en fait. Voilà. Et je vais le transformer en humour ou en autre chose, quoi.
mais je vais le transformer en quelque chose de positif. Ça reste perceptible, la tristesse, même si tu fais ce genre d'humour, peut-être à un moment, oui. Oui, à un moment donné, parce que bon, l'humour a aussi ses limites, et il y a un moment donné où, l'humour, quand on arrive aux limites de l'humour, on peut plus cacher grand chose, quoi. Ça fait bizarre quand je vais dire ça, parce que peut-être des tensions à l'attente autour de la table. une expression excessive de joie sans raison apparente signale des tensions cachées. Eh bien oui. Oui, forcément. C'est obligé. Forcément. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il faut cacher, est-ce qu'il faut finalement cacher ses émotions, cacher ce qu'on est, cacher sa tristesse autour des gens, ou est-ce qu'il faut... On a tous des moments de tristesse et tout, je veux dire, après, ça arrive, quoi, je veux dire, moi, quand on parle des fois à table, on va partir sur des sujets, et si ça va me toucher au plus profond de moi, ça va m'attrister, mais bon, après, je vais vite faire la balance, quoi. Autre cas, par exemple, les soirées karaoké. J'ai pas fait exprès, hein. Je fais vraiment pas exprès, hein. Soirées karaoké, sachez que tout le monde empoigne le micro en riant, c'est ce qu'on dit, et tout le monde empoigne le micro en riant, sauf vous, sauf une personne, parce qu'on prétexte qu'on chante comme une casserole. Mmh. Alors, l'émotion, tout ça, c'est tout simplement la peur du regard des autres. C'est ça. Alors, ça, c'est vraiment un des sujets qui tue, le regard des autres. Comment on peut affronter le regard des autres? Non, c'est vrai que c'est pas évident, hein, notamment pour les karaokés que tu dis dans l'exemple. On a connu ça, hein, mm-hmm. On a connu cette situation-là. Y a ce pas à franchir, en fait. Même si on sait qu'on n'est pas The Voice et que voilà, on a une voix de chiotte, au moins c'est juste se faire plaisir, quoi, je veux dire. Voilà, donc il y a cette appréhension de la première fois, hein, de toute façon. Mm-hmm. Et puis bon, après, il faut, une fois qu'on est lancé, on est lancé, quoi, je veux dire. Hein. Après, le regard de l'autre, moi, comme je dis, ouais, si ça l'amuse de me regarder de travers et de me dire que je chante comme une casserole, ok, peut-être, mais au moins je le fais, quoi. En gros, faut se dire qu'on n'est pas les seuls à chanter faux aussi. C'est ça. Voilà. Il y en a d'autres, hein, et puis il y en a qui n'osent pas. Il y a toujours pire que soi, mais au moins, tu l'as fait. Voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Donc, après... Puis un peu karaoké, c'est pas The Voice, effectivement. Non, voilà, c'est un karaoké. Il n'y a pas des producteurs non plus. Voilà, c'est fait pour passer un bon moment, que tu chantes vrai, que tu chantes faux, on s'en fout, quoi, je veux dire. Alors, autre situation, 20h30, tranquillement installé à la maison, on reçoit un texto du genre « Je débarque avec 3 collègues de bureau ». Et vous voyez rouge là-dedans. Alors, justement, est-ce que je vois le truc, c'est qu'au dernier moment, on te prévient qu'on arrive chez toi. Comment tu réagis? Ça, c'est le genre de truc que je n'apprécie pas trop. Après, bon, ça dépend déjà qui. Oui. Déjà. Non, après, c'est pas forcément un truc que j'aime bien. Hein. C'est-à-dire, on débarque chez toi sans prévenir, en fait. C'est ça, c'est pas le genre de truc que j'aime. Après, si tu me dis la veille, peut-être que je passerai demain. Bon, même si tu passes. Si tu passes pas, bon, je passe pas. Mais au moins, t'auras eu la décence de me dire peut-être que je passerai. Donc voilà. Non, après, j'apprécie pas forcément. Bon, après, t'es là, quoi. Je veux dire, hein, c'est comme on voit souvent dans les réseaux sociaux. Ouais, je me pointe chez toi à 3h du matin, les yeux en larmes. Est-ce que tu m'ouvres la porte? Bien sûr que oui, je vais t'ouvrir la porte. Je vais juste t'engueuler parce que tu m'as un peu réveillé, mais voilà. Oh, le petit téléphone à 3h du matin, le petit fixe. Ouais. Allô, c'est pour savoir comment tu vas à 3h du matin, tu sais, c'est sympa ça, non? Oui, c'est sûr. Oh, c'est juste pour savoir comment tu vas à 3h du matin. Non, t'acceptes pas? Non, ça j'accepte pas. Oh zut, alors. Mince alors. Non, après, voilà, il y a une limite de respect, mais non, après, quoi, je veux dire, c'est 20h, c'est pas 3h du matin, donc ça va. Ah, mais 20h30, c'est quand même l'heure du repas ou l'heure que tu es tranquille devant ta petite télé, devant ta petite. Dans la situation d'hier, tu vois, on était en apéro, il y a du monde qui est arrivé et tout, ça n'a pas prévenu pour autant. Ouais, c'est vrai. Bon, ça m'a pas choqué pour autant, tu vois. On est en apéro, quoi. Je veux dire, écoute, tu t'arrêtes, tu bois un morceau, un coup, et puis voilà, quoi. J'aurais pas été là, t'aurais été dedans, ça t'aurait pris comment? Hier soir? Différemment? Non, j'aurais été naturel. Écoute, tu restes, tu bois un coup, et puis voilà, quoi. D'accord. Ah oui, non, moi je suis pas. Hier soir, c'était la fête des voisins. J'ai pas vu les voisins personnellement, la fête des voisins sans voisins. Moi, je sais pas comment vous avez fait votre fête des voisins et vous hier soir. Mais alors moi, nous hier soir, on n'a pas eu de voisins parce que c'était un peu bizarre hier soir. Bon, en même temps, la fête des voisins dans le quartier où je suis, c'est plus la fête des retraités. Mais, c'est pas bien ça. Oh, que c'est pas bien. Oh, excuse-toi. Oh, que c'est pas bien ça. Non, je m'excuserai pas parce que quand toi tu proposes quelque chose. Et que
que c'est mal vu ou que c'est mal perçu, donc non, quoi, je m'excuserai pas là-dessus, quoi. Désolé. Alors, c'est pas bien, hein, tout à dire. Ah ouais, non, mais j'assume. Alors, autre cas, vous décrochez un dossier qui vous tient particulièrement à cœur, vous devriez, alors là, on est au conditionnel, vous devriez bondir de joie, et au lieu de cela, vous êtes inquiet. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça peut arriver, ça? Bah, inquiet, oui, parce que tu vas te dire, ouais, même si c'est un truc qui te tient à cœur, voilà, t'as encore plus la pression, quoi. En fait, on dit qu'au lieu de nous réjouir d'un succès bien mérité, il arrive parfois que nous entendions un message du genre « ne te réjouis pas trop vite ». Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, parce que tu peux te dire que pour toi, ça va être bien, et puis finalement, ça va faire un gros flop, quoi. D'accord. Alors que pourtant, tu es sûr de toi à 100%, et voilà, quoi. On n'est jamais sûr... Enfin, on peut jamais se dire... Tu veux vraiment que je dise sur la caravane ou ça ira? Ouais, non, mais... non, mais bien, et ça peut être rare, et ça peut arriver, ça. Mais bien sûr, tout à fait. Voilà. Ouais. Moi, cette personne, c'est vrai que, voilà, hein, comme je dis, je lui fais confiance, hein, y a pas de souci. Mmh. Après... Voilà, tu t'es réjoui de la caravane d'hier, imagine aujourd'hui il est vendu, demain tu pleures. Ouais, non, ça peut, c'est un peu oui, ça, quoi. C'est ça. Après, je pense que ça serait surtout malhonnête de la part de la personne, de la vendeuse, hein, de me dire, bah, écoutez, je l'ai vendu en sachant que, bon, il y a moins de 24 heures, on en a discuté, il n'y avait pas de problème et tout, quoi. Mm-hmm. Donc oui, là, je l'aurais... Est-ce que t'es encore inquiet, là, pour aujourd'hui, là, avec ta caravane? Non, franchement, est-ce que tu es vraiment sûr de toi pour demain? Ah oui, mais à 100%. T'as pas une part d'inquiétude? Non. Non, parce que j'ai vu la personne ce matin, on a encore discuté, ouais. On a un petit peu plaisanté et tout. Donc, je lui ai confirmé comme quoi que demain, à 14h, 14h30, on sera devant la caravane. Donc, non, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Ouais, c'était... Voilà. Non, mais j'ai essayé de trouver, tu vois, une circonstance réelle. Les gens ne devraient pas comprendre pourquoi on parle de caravane. Mais j'essaie de te trouver une circonstance réelle pour que tu puisses répondre à la question, en fait. Alors... Autre sujet, enfin toujours, on est toujours sur la timidité et la peur. Là, on dit aussi qu'il faut arrêter de se faire marcher sur les pieds. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça évoque pour toi cette phrase déjà? Ben voilà quoi, ne pas se laisser. C'est un peu ce que je dis à une certaine personne, c'est de pas se laisser faire, d'avoir un peu de répondant, de voilà quoi, je veux dire, et de prendre des initiatives quoi quand il faut en prendre. Quoi. Alors déjà, c'est que voilà, par rapport à ça, c'est qu'il y en a certains qui ne vous respectent pas. Ça c'est la grande situation. On vous dépasse dans une file d'attente. Bon, ça, on s'en fout encore, c'est pas très méchant. Comme si on n'existe pas. Ça, par contre, c'est plus chiant. Au quotidien, comme dans les relations en couple ou en travail, il faut parfois savoir jouer des coudes pour se faire entendre. Mmh. J'ai droit à joker ou ça ira. Si l'impression d'être malmené domine, il est temps de réagir. Donc, je vais donner quelques pistes, et j'en ai 9 sur ce domaine-là. Première piste, c'est se montrer moins émotif. Est-ce que ça peut être ton cas? Dans la situation générale, hein, ça peut être couple, famille, amis, travail, tout ça. Est-ce qu'il faut pour toi se montrer moins émotif ou est-ce que tu laisses parler tes émotions? Non, ça dépend. Après, les émotions, de manière quand je discute, je parle toujours avec une certaine émotion. Tout dépend du sujet, bien sûr. Voilà. Après, soit je contrôle, soit je contrôle pas. Quoi, je veux dire après. Alors, je vais donner une situation. Votre moitié a du retard. Vous vous inquiétez. Une fois arrivé, non seulement il ou elle ne s'excuse pas, mais mieux encore, il vous reproche votre anxiété. Là, je peux pas savoir parce que moi, je suis pas du genre à m'inquiéter, donc. Ouais, mais attends, c'est peut-être pas forcément toi, mais ça peut être l'inverse. Après, ça peut arriver. Enfin, moi, j'ai jamais connu cette situation-là, donc parce que bon, moi, quand t'es absent, voilà quoi. Ça alors, pas plus que ça. Il y aurait une piste par rapport à ça, c'est qu'il. Alors après, il faut gérer ses émotions. Hein. Vous avez peut-être tendance à anticiper de façon irrationnelle et à vous laisser déborder par vos émotions. C'est ton cas peut-être. Quand vos pensées prennent un tour anxiogène, vous êtes plus facilement déstabilisé. Et pour gagner en affirmation de soi, il suffit de relativiser. Pour calmer votre inquiétude, il suffit de l'appeler. Ça, c'est ce qu'a fait Daniel par exemple hier soir. Non, c'était hier après-midi. Je sais plus quand. Et il est injoignable. Et par contre, imagine si t'es injoignable. Ouf. On t'appelle et t'es injoignable. Ça, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé qu'on m'a appelé plusieurs fois et c'est que j'étais pas joignable et tout. Ouais, là, l'inquiétude était grande. Après, bah, ça peut arriver malheureusement de ne pas être joignable. Hein. On peut tomber en panne de batterie et puis voilà quoi. Ok. Pourquoi pas. Deuxième piste, il faut savoir oser refuser quelque chose. Tiens donc. Bonjour, c'est ça, faut savoir dire non. Bonjour Lionel. Oui. Est-ce que je dois te regarder face à face sur cette situation? Savoir dire, oui, savoir refuser. Est-ce que tu sais dire non? Non.
Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Moi, mais on m'a tellement donné, on m'a tellement donné que bah, maintenant je veux donner, quoi. Voilà, Mais on en a parlé en privé plusieurs fois, mais est-ce qu'aujourd'hui tu en as conscience que ça peut te... Ah, mais bien sûr, il y en a beaucoup qui profitent qui peuvent profiter de la situation. Ouais. Bien sûr. Après, bon, bah, écoute, qu'ils en profitent, quoi, je veux dire. Moi, je partirai de ce monde la tête haute. Je suis pas sûr. Si. Non, je suis pas convaincu à 100%. Si, sûr. Non, tu peux pas dire ça parce que je sais qu'émotionnellement tu dis beaucoup de choses après, pas sur l'instant, mais après t'as un ras-le-bol qui avec le cumul. Bah, c'est sûr. Et après il y a toujours un ras-le-bol parce que bon, tu te dis ouais, tu donnes, et puis quand toi t'as besoin, bah il y a pas forcément quelqu'un qui est là. Quoi. Même si je sais ce que tu vas me dire, t'attends rien en retour de quelqu'un, mais c'est pas ça. Même si t'attends rien en retour à quelqu'un, il y a une histoire de respect, au moins un minimum de respect. Oui, voilà, c'est un minimum de respect, c'est-à-dire que bon. Voilà, demain tu m'appelles, tu me dis ouais, est-ce que ça te dérange pas de m'amener faire des courses ou des conneries comme ça? Je te dis non, il y a pas de souci. Après, si moi j'ai besoin de toi et que tu vas me dire ouais non, bon, je connais quelqu'un qui est comme ça, ouais non c'est pas possible et tout, bah je vais te dire bon ok une fois, ok deux fois, ok trois fois, puis après je fais plus appel à toi. Quoi. Parce que c'est impressionnant. Par contre quand tu auras besoin de moi, je te répondrai ben non je peux pas. C'est impressionnant. Je suis obligé de faire en général. On te demande de réparer un ordinateur, tu dis oui. On te demande de réparer un scooter, tu dis oui. Je dis oui dans les sens, mais je précise aussi que si c'est pas forcément mon domaine, je dis écoute, je peux éventuellement regarder. Après, c'est pas forcément mon. Ou alors, tu peux m'emmener à oui. Oui. Tu peux oui. Non mais attends, c'est impressionnant. Non. Tu sais pas dire non. Non. Mais pourquoi? Ben je sais pas, je suis comme ça, c'est tout. C'est sûr que demain tu me demandes, ouais, tu peux me dépanner de 5000 euros, je te dirais non. Ça c'est sûr. Ah ben oui. Voilà, mais non. Après, du moment que je sais que c'est dans mes capacités et dans mes moyens, ça me pose aucun problème. D'accord. Voilà. Et ça t'a jamais. Si ça... par exemple tu me dis demain, tiens. Et ça t'apporte quoi en fait de faire ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je sais pas. J'ai toujours ressenti ce truc d'aide, quoi, je veux dire. C'est pas pour rien que je suis aussi à la protection civile, c'est pas pour rien que je suis dans des associations d'aide ou des trucs comme ça, quoi, je veux dire. J'ai toujours ressenti ça comme je sais pas, comme si c'était mon tracé de vie, quoi, je veux dire. Donc voilà, quoi. D'accord. Aider son prochain, je sais pas, ça a toujours été mon truc. D'accord. Voilà, je peux pas. Est-ce que tu me mets des limites quand même? Oui, je mets certaines limites. Ça m'arrive quand même. Donc tu dis pas non, mais t'as quand même des limites à ne pas franchir. Oui, il y a voilà. Des limites à ne pas franchir. Voilà, comme je dis, c'est en fonction de mes capacités, quoi. Je veux dire, si c'est des trucs où je sais que je domine sans problème, bah ouais, je vais t'aider, il y a pas de souci. Si c'est des trucs où je vais un peu être hésitant, comme la mécanique auto ou même scooter, quoi, je veux dire, ouais, bah écoute, je peux regarder, mais je t'avais. Bon, voilà. Après, j'y connais rien, quoi. D'accord. Alors attention, c'est pas fini parce que la troisième n'est pas mieux. Alors attends, déjà, je vais quand même d'abord revenir sur le oser refuser. Il faut d'abord se poser la question qu'est-ce qui nous empêche de refuser alors qu'on souhaite le faire, par exemple. Bien souvent, la peur en est à l'origine. Je sais pas pourquoi, t'as pas peur pourtant. Est-ce que t'as peur d'être jugé? Non. Imaginons, tu dis non. Est-ce que t'as peur quand on te le reproche? Mais il y aura toujours un reproche à un moment donné ou à un autre. Il y aura toujours un reproche. Après, c'est rare que je dise non déjà. Donc, non, mais c'est par peur ou c'est parce que c'est non, toi. Non, après c'est les gens, quoi. Je veux dire, hein, c'est les gens, s'ils veulent te faire un reproche, ils te feront un reproche. Comme on me reproche de tout le temps dire oui et de pas dire non. Après, ça me fait pas peur. Ok, donc ça c'était une question. Alors troisième point, c'est pas mieux parce qu'il faut accepter de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. On peut pas être tout le temps. D'accord avec tout, quoi. Je veux dire, on a tous nos opinions, forcément. On a tous des opinions différentes, mais après, même la différence de nos opinions, dans un sens, peuvent amener à un accord. Alors, par exemple, en cas de désaccord, on cède rapidement du terrain avant de concéder à la personne qu'il a raison. Non. Moi, je parle quand la personne a tort, point. Hein, là, t'as tort, c'est tout. Et quand t'as... Oui, mais alors là, ça, c'est un sujet qu'on va revenir. On va pas se taper encore sur la tête. Est-ce que souvent, quand tu as tort, tu assumes d'avoir tort? Alors, ça m'arrive. Ou est-ce que t'as ta fierté qui passe dessus? Alors, c'est arrivé que des fois, ouais, je dis, ouais, non, j'ai pas tort, alors que je sais pertinemment que... Peut-être pas sur l'instant T, mais après, ouais, je me dis, ouais, finalement, t'aurais mieux fait de la fermer, parce que, effectivement, t'as tort.
Après, ça m'arrive par contre de reconnaître franchement mes torts. Mm-hmm. Là-dessus, quand je sais que j'ai tort et que je le dis honnêtement, ben, je m'écrase, quoi. Je veux dire, j'ai tort, et puis on n'en parle plus, quoi. Mm. Par contre, si je sais que j'ai raison et qu'on persiste à me dire que j'ai tort... Bien sûr. Là, c'est une autre histoire. Mais est-ce que tu sais forcément que tu as raison? Alors, si je sais que j'ai raison, c'est parce que... Non, mais si je sais que j'ai raison, c'est parce que c'est vérifié, c'est du sûr à 100%, quoi. Ouais, je veux dire. Tu peux pas dire. C'est parce que moi, je vérifie... Enfin, généralement, déjà, avant de dire des choses... Donc, c'est fondé, prouvé... Voilà. C'est ça que tu veux je dire. Sais que j'ai de l'appui derrière. Voilà. C'est comme quand on fait des sujets ici, à la radio, par exemple, je vais pas intervenir sur des sujets que je ne maîtrise pas, pour ne pas dire n'importe quoi non plus. Au pire, je vais poser des questions pour m'informer ou des trucs comme ça. Après, si je maîtrise un sujet à 100%, ouais, je vais même pouvoir te donner des explications concrètes. Est-ce que tu as tendance à céder, alors là, on parle au niveau du couple, est-ce que tu as tendance à céder à tout, voilà, en gros, te rabaisser pour éviter tout accrochage? Non. Donc tu vas jusqu'au bout? Ah oui, je préfère qu'il y ait même limite l'affrontement. Mm-hmm. Et qu'on se dise, bah ouais, voilà, écoute, je ne céderai pas de toute façon, puisque je sais que je suis dans mon plein droit, donc si je sais qu'en plus j'ai raison, alors là, avant de céder, il faut se lever de bonne heure. Voilà, non, si je sais que je suis dans mon bon droit, je vais même aller à l'affrontement, quoi, je veux dire, c'est déjà arrivé. Donc pour toi, conflit inévitable? Ah si, si je sais que j'ai raison et qu'on persiste à me dire que j'ai tort, mais j'irai jusqu'à la fronte. Donc en gros, là, on recommande voilà des personnes qui face à ça, il faut pas céder, quoi, en fait. Ah non, si jamais. Vous savez que vous avez raison et qu'on persiste à vous dire que vous avez tort, non, faut pas céder, quoi. Je veux dire, faut rester planté sur ses positions, quoi. D'accord, jusqu'au bout. Ah, jusqu'au bout. Quitte même à ce que ça fasse mal, quoi. Je veux dire, hein. Et puis généralement à la fin, ça fait très mal, quoi, parce que la personne généralement dit. Ah ouais, finalement, t'as pas tort. Ouais, mais ça fait 3 heures que je suis en train de te le dire. C'est là qu'on se dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas une troisième personne sur ce sujet. C'est ça. Il a bien évité le sujet. On se pose la question s'il s'est pas fait exprès quand même. Ah oui, mais bon, c'est reculé pour mieux sauter. Oui, ça c'est sûr. Grave. Mais il échappera pas pour autant. Hein. C'est sûr. Est-ce que le fait de ne pas être d'accord, c'est acceptable? Bien sûr. On a le droit de ne pas être d'accord et ce n'est pas une honte, ce n'est pas. Moi, je trouve que, ouais, moi, une personne qui va me dire, écoute, bah ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi pour X ou Y raison, bah ok, t'es pas d'accord. Et il faut également accepter de se montrer tel qu'on est, et il faut pas attendre que s'accumulent les rancœurs pour commencer à vous affirmer. C'est-à-dire que c'est le moment, c'est pas à la fin, ça me fait penser à quelqu'un d'autre encore. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est rester tel qu'on est, et puis voilà, c'est ce qui fait notre personnalité de toute façon, quoi, je veux dire, hein, donc. Moi je fonctionne d'une manière, toi tu fonctionnes d'une autre manière, mais les deux manières ne font pas forcément conflit, quoi. Mm-hmm. Non, mais ça arrive où des fois on est totalement, on va dire, en osmose tous les deux sur certaines choses, comme on peut être totalement opposé, quoi. En fait, il y a deux solutions. Toi, t'as deux opinions différentes, mais qui s'accordent. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec deux opinions, on peut en partager, on peut en faire une force. Mm-hmm. Soit t'as deux opinions différentes et c'est le conflit. Parce que c'est vraiment opposé, vraiment. En fait, il y a deux situations possibles là-dessus. Donc, on peut avoir des opinions différentes. C'est ce qu'on fait à la radio tout le temps. On a toujours été libre de nos opinions au niveau de la radio. C'est ça, totalement. Et comme tu l'as toujours dit, on n'est pas forcément d'accord sur tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Mais on arrive des fois avec les deux. Il y a toujours un terrain d'entente, de toute façon. Il y a toujours, d'un côté comme de l'autre, hein, comme on dit, c'est mettre de l'eau dans son vin et de trouver cet accord, quoi, je veux dire. Si tout le monde marchait dans le même sens, on s'ennuierait, quoi, je veux dire. Hein. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de. Ça serait comme nos chères têtes politiques, hein, je veux dire. Hein, si tout le monde allait dans le même sens, on se ferait chier, quoi. Faut dire les choses comme elles sont, quoi. Ça serait trop facile. Voilà. Quand il y a de l'opposition, ça met un peu de piment, quoi, quand même. C'est bien. Puis c'est ce qui ouvre un débat, quoi. Je veux dire, c'est ce qui fait un débat, quoi. Je veux dire, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat, quoi, je veux dire. Hein. Quatrième piste, c'est qu'il faut gagner. Alors là, tu vas me dire ce que c'est. Ça se trouve, tu vas pas comprendre ce que ça veut dire. Il faut gagner en sex-estime. Ah, vous souriez? En sexe, estime. Ouais. Alors la situation, c'est force est de constater qu'il n'y a pas toujours de respect en amour, surtout pendant une phase passionnelle. Il suffit de se plier au désir de l'autre et qui est plus fréquent qu'on ne pense. Est-ce que tu te plies au désir de l'autre, finalement? Non. Non, j'ai pas tendance à me plier. Non, non, non. En plus, non, je vois pas, non.
Tu vois le moi je vois le contexte maintenant quand tu lis le truc. Et il suffit en fait le sexe estime, c'est-à-dire que toi forcément voilà, il y a une différence. Alors ça peut être corporel, ça peut être tout ce que tu veux. Et voilà, il y a l'estime de soi qui est là-dedans, que tu assumes pas forcément ce que tu es, qui tu es, tout ça. T'as pas forcément les mêmes goûts sexuellement non plus. Mmh. Et par rapport à tout ça, ben la personne en couple et ben se plie un petit peu à tes exigences et un petit peu aussi se force même à par amour de faire quelque chose physiquement. Je suis pas comme ça de toute façon, je suis pas du genre à forcer ou à obliger la personne à aller dans mon sens ou des trucs comme ça quoi. Mm. Je veux dire je laisse libre la personne libre quoi, je veux dire hein, de tout quoi, je veux dire hein. Moi je vois avec mon mari il y a pas de forcing sur quoi que ce soit quoi, je veux dire hein. C'est naturel, ça reste naturel. En accord. Voilà, c'est ça, c'est Tu veux pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Tu veux pas aller ici, quand même. Non, c'est OK, ouais. Il y a du respect total. Et tu ne vas pas. Tu dis pas, allez, vas-y, fais-le pour moi. Non, je ne fais pas ça. C'est ça, en fait. Je suis loin d'être comme ça. Et puis, ça fait pas partie de ma personne, quoi, je veux dire. Donc, puis, ça irait contre ma façon de penser, de toute façon. OK. Il faut pas se laisser manipuler, quoi qu'il en soit non plus. Le discours érotique gagnerait à se décliner autour de complicité, sécurité et tendresse. Mmh. C'est ce qu'on dit. Alors seulement on peut s'autoriser à s'aventurer sur des contrées plus débridées, mais en toute sécurité. C'est ce qu'on dit. Cinquième piste. Là, il faut suivre. Alors là, par contre, attention, gros truc, c'est qu'il faut lâcher la bonne image de soi. Ah. Mais oui, quelle est la bonne image de soi? Oui, voilà, il faut toujours garder, même en cas de conflit ou de quoi que ce soit, il faut toujours. Voilà. Est-ce que sauver les apparences. Alors, on dit que sauver les apparences est devenu prioritaire. Oh, moi, je ne cherche pas à sauver les apparences. Hein. Si je dis non, je dis non. Et voilà, après, comme je dis, hein, la personne le prend comme elle l'entend. C'est tout. Et puis, je resterai moi, quoi, je veux dire. Hein. Par exemple, en tant que parent, en tant que père, parce que j'ai le cas du parent, on dit qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds par ses enfants, par rapport souvent à une image positive d'elle, et on préfère peut-être se préserver d'une image sociale et être par exemple une bonne mère ou un bon père, et il faut s'autoriser à jouer les mauvaises mères ou les mauvais pères, et à prendre en compte ses attentes de calme et de silence, surtout en rentrant du bureau. Compliqué ça. Mais ça, c'est une histoire d'émotion, donc... Là-dessus, avec ton fils, pas de non, peur, pas, c'est non, cadré. C'est très cadré, quoi, je veux dire. Hein. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a un minimum de respect. Comme je lui ai toujours dit, je suis son père et pas son copain. Mm-hmm. Donc voilà, quoi, je veux dire. Quand ça commence à dépasser les bornes, on commence à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Mais c'est pas pour autant qu'il y a un rejet ou quoi que ce soit. Alors, c'est au contraire, justement. Sixième piste, il faut retrouver le contact avec soi. Alors ça doit être bizarre. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Peut-être. Oui, je pense qu'il faut savoir s'auto-critiquer, voilà quoi. Mm-hmm. Faire un travail sur soi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mal à se juger soi-même. Voilà, à se dire, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est bien ce que tu vas faire? Ce que tu penses? Voilà quoi. Je veux dire, se remettre un petit peu en question, c'est pas plus mal, quoi, je veux dire, des fois. Hein, ça... Alors, il faut pas confondre égoïsme et respect de soi. Oui, il faut pas... Oui. Ah, tu vois déjà la différence ? Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis pas... Enfin, je me suis jamais considéré comme égoïste, de toute façon. Donc, non, c'est pas possible. Tu peux pas te dire... C'est tout l'inverse, justement. C'est ça, alors. Justement. Donc, Mais est-ce que tu te respectes, en faisant ça ? Ah, moi, je me respecte totalement. J'assume pleinement ce que je suis, comment je le fais, ce que je fais, ce que je refuse, ce que j'accepte, totalement. D'accord. Ouais, mais oui et non, parce que tu donnes trop aux autres sans penser à toi. Donc c'est pas forcément un respect de soi. Et toc, prends oui, ça. Mais... oui, mais non. Ah bah si. Bah non. Non, réfléchis. Non, réfléchis pas à la phrase. Oui, non, est-ce que tu te respectes en donnant tout aux autres? Bah pour moi, c'est ce que j'ai toujours été comme ça, donc je me suis toujours respecté comme ça. Ah oui, je sais pas si tu te respectes. Regarde ce qui t'arrive depuis deux jours. Aïe. Ça, c'est les aléas. Hein. Et si, t'imagines qu'il y aurait presque personne pour t'aider En gros, t'étais dans une situation, tout ça, et personne pratiquement était là pour toi, quoi. C'est ça. Bon, bah après, comme on dit, hein, on est dedans, on est au fond du trou, bah, y a juste à sauter pour remonter, quoi, je veux dire. Il y aurait eu personne, hein, je veux dire, on aurait fait carême, et puis voilà, quoi.
Il faut se décider de passer en priorité du temps à s'y mettre, que ce soit voilà, être dynamique, être vivant, joyeux. Il faut se positiver. Puis il faut vraiment pas s'y forcer, parce qu'on peut pas forcer non plus. Non. En cas de tristesse, tout ça, on peut pas se forcer. Mais il faut suffit d'y mettre de la volonté. C'est ça. C'est un petit peu ça. Il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Mm-hmm. Et des bonnes personnes, quand j'entends des bonnes personnes, c'est pas celles qui sont là uniquement dans l'intérêt. Mais celles qui sont là, quand t'es au fond du trou, elles sont là pour te tendre une main. Mmh. Et vice versa, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, quoi. Septièmement, là, tu vas avoir le petit piège. Est-ce que il faut savoir passer du tu au vous si besoin. Et moi, je peux pas vous voyer, moi, c'est pas possible. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je ne peux pas vous voyer dans le sens où à chaque fois qu'on m'aborde ou quoi que ce soit, c'est automatiquement tu. C'est-à-dire, on me tutoie. Donc, moi, du moment où on me tutoie, je tutoie. Donc, c'est dommage. Et même au travail ? Même au travail. C'est-à-dire que j'ai, même lors d'un entretien, ça m'arrive constamment. Hein. D'un entretien, la personne en face de moi a le malheur de me tutoyer, je vais la tutoyer. Alors, c'est un automatisme. Alors, on va voir. Ton patron, ton grand patron te dit tu vas lui dire tu. Je lui dis tu. Ouf. Et ça a toujours été comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et ça n'a jamais posé de problème partout où j'ai travaillé, ça n'a jamais posé de problème. D'accord. C'est étonnant, ça, parce que normalement... C'est donnant-donnant, quoi. Je veux dire, tu me tutoies, donc si tu te donnes le droit de me tutoyer, donc moi, je me donne le droit aussi de te tutoyer, c'est logique. Ça c'est ta façon de faire. Ouais, c'est donnant-donnant. Si on me vous voit d'entrée, je vais vous voyer. Mm-hmm. La personne que j'ai eue pour la caravane au téléphone m'a tutoyé, je l'ai tutoyé direct. C'est automatique. T'as expliqué ça par contre. Hein? Est-ce que tu expliques pourquoi tu tutoies après? Ah bah si on me dit, si on me fait la réflexion de quel droit tu me tutoies, déjà pourquoi tu vas me tutoyer, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est tu me tutoies, je te tutoie. Et si on te vous voit? Je vous vois. C'est donc tu sais, vous voyez quand même. Ah oui, je sais, vous voyez. Ah ouais. Oui, mais moi chez moi c'est voilà, c'est. D'accord. Tu vas t'adresser à moi par vous, je vais m'adresser à toi par vous. Du moment où tu vas me dire tu, c'est tu. Ok. Donc là, toujours pareil. Les premiers temps, quand par exemple, je suis rentré à la protection civile, on m'a vouvoyé d'entrée. J'ai vouvoyé. Sur les deuxièmes phrases, ça a été oui, mais alors tu. Et toi, alors qu'est-ce que t'en penses, quoi? Je veux dire, voilà, quoi. C'est. Sitôt qu'il y a le tu, je mets le tu, quoi. C'est direct. Ça te tue, hein. Moi, non, ça me tue pas, ça tue surtout beaucoup de personnes. Huitième cas de figure, rien n'est perdu d'avance, donc ça, c'est ce qu'on dit. Votre supérieur ne respecte pas les horaires des rendez-vous qui vous fixent. Résultat, vous faites souvent le pied de grue et vous perdez du temps. Alors, ça, par contre, t'aimes pas ça, la ponctualité. Moi, la ponctualité, chez moi, c'est quelque chose de très important. Oui. Ça prouve que tu es intéressé et que t'en veux. Je l'ai fait plusieurs fois, ce coup-là. Hein. On me donne des rendez-vous à 9h, et puis moi je suis toujours là avec 5-10 minutes d'avance, et puis 9h personne, 9h05 personne, 9h10 personne, et puis on passe à 9h15, ou voilà quoi. Un cas concret, les médecins. Ah oui, les médecins. Alors un médecin qui te prend une heure après, tu sais, c'est ça, une heure voire plus, quoi, je veux dire. Voilà, ça arrive très souvent, et ça c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Hein. Je l'ai fait dernièrement au tribunal, hein, je le cache pas. On m'a donné rendez-vous à 10h, à 10h moins 10, j'étais présent. Mm-hmm. La personne s'est pointée à 10h10. 10h10, ah oui. Ah, et puis il est passé devant toi. C'est ça. Ah oui, non, ça ne savait pas. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai posé mon papier sur le bureau de la personne. Ouais. Et je suis parti. Ah oui, quand même. J'ai dit mon rendez-vous, il est fini. J'ai dit moi j'étais là à l'heure. Mm-hmm. Vous avez un rendez-vous à 10h10. La personne, elle est là pour le 10h10. Moi j'avais un rendez-vous à 10h. C'est plus mon entretien. Oui. Je vous laisse mon papier. Si vous voulez me reconvoquer, vous me reconvoquez. Ça s'arrête là. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et avant l'heure, c'est pas l'heure. Petite parenthèse, si vous entendez des petits trucs derrière, parce qu'on entend un peu au retour, je sais pas si tu entends le fond. Ouais. Il y a une petite animation dehors en ville. Une manifestation musicale dehors. Une petite animation. Donc si vous entendez un petit bruit sonore derrière, c'est normal. On marque quelque part, c'est bien. Ça donne un petit fond. C'est sympathique. Puis comme je dis toujours, je veux dire, si on veut être respecté, faut déjà respecter.
Donc pour toi, la hiérarchie n'existe pas là, dans le tutoiement et tout ça. C'est un total fouillis, quoi. Je veux dire, moi, quand on me dit, ah, mais vous êtes en retard, non, je suis pas en retard. C'est comme par exemple, tu vois, dans les émissions télé, c'est ce que je comprends pas. Ils se connaissent tellement bien depuis des années, ils se vous voient toujours. Je comprends pas. Ils se vous voient tout ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu, on va dire, bourgeois, tout ça, qui veulent que du vouvoiement, les tutoiements, ça les dérange. Mais alors qu'ils se connaissent depuis des années, à la télé, ils se forcent à dire vous pour par respect aux téléspectateurs, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui tutoiement ça dérange, ou même on dit que le tutoiement est un manque, est une forme de manque de respect. Ça te choque ou pas ça, à la télé qu'on dit vous, ils se disent vous même s'ils se connaissent depuis 20 ans. Bah après je sais pas, c'est peut-être leur façon de fonctionner à eux pour dire et on a un milieu professionnel et un milieu personnel, donc en milieu professionnel on va se vouvoyer, mais voit pas nous à la radio. Ouais mais nous on n'est pas des superstars. Non mais il y a pas besoin de ça, parle de professionnel. Non mais voilà quoi, je veux dire, après c'est parce qu'ils fonctionnent comme ça quoi, je veux dire, moi personnellement je pourrais pas hein, mais bon. Moi j'ai côtoyé à une certaine époque quand j'étais agent de sécu des personnes, même des stars, quoi, faut dire ce qui est. Moi, ça m'est arrivé de tutoyer Renault, ça m'est arrivé de tutoyer l'ermite, Junio, tout ça, quoi, je veux dire. Du moment où tu veux me dire tu, c'est mort, quoi. Donc, de toute façon, voilà. Donc, après, si pour eux, c'est une façon de mettre une barrière entre le professionnel et le personnel, ouais, je peux comprendre à la rigueur. Après, bon, ça fait un peu faux cul quand même, quoi. Je veux dire. Je te dirais vous là, à la radio, ça ferait pas drôle, bizarre. Ça ferait bizarre, mais je te dirais vous aussi. Ouais, mais c'est pas logique. Non, ça serait pas logique. Tout ça parce qu'on serait à la radio, on devrait se dire vous. Ouais, ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre. Je supporterais pas personnellement. Hein, je te dis franchement, et c'est pas honnête, c'est pas naturel. Je sais pas comment expliquer. Et puis après, ça arrive qu'il y ait des personnes où tu vas les vouvoyer, puis elles vont te dire non, mais tu peux me dire tu. Ça encore, bon voilà, tu vois, t'es respectueux parce que tu vas vouvoyer la personne, donc, et puis si elle te coupe, elle te dit non, il n'y a pas de vous entre nous, tu peux me dire tu et tout, bon là, ok. Après, moi, tu me dis tu, quoi. Alors, 9e situation, il faut se comporter comme quelqu'un d'important. Non. C'est pas être forcé. C'est comme si que, voilà. Explication, je vais te donner un cas de figure. Dans la file d'attente pour aller au cinéma ou à la poste, c'est un exemple, hein, on vous passe fréquemment devant sans s'excuser. Est-ce qu'il faut automatiquement s'excuser ou est-ce qu'on est quelqu'un d'important et on s'excuse pas? Non, il n'y a pas de, on ne s'excuse pas. Tu bouscules une personne, c'est pardon, quoi. Je veux dire, c'est la moindre des politesses, quoi. Je veux dire, c'est pas une question d'être important ou pas être important, c'est une question de respect, quoi. Tout simplement. Donc la piste à suivre, c'est qu'il faut prendre sa place et il faut l'occuper. Il faut occuper réellement son propre espace. C'est quelqu'un n'a pas à imposer son espace vital. Non, c'est ça. La personne n'a pas à être dans ton espace, on va dire vital. Quoi. Il n'a pas à s'imposer. Ça m'est arrivé dans des grandes surfaces, par exemple, de me faire bousculer par une personne plus ou moins âgée. Hein, et cette personne-là, pouf, elle trace, quoi. Je veux dire, bah, moi, je la chope, et puis je dis, ça vous dérangerait pas de vous excuser quand même? Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, on est tous à la même enseigne, quoi. Je veux dire, hein. Après, on s'étonne qu'il n'y a pas de respect, que les jeunes n'ont pas de respect envers les anciens et vice-versa. C'est une question de politesse, quoi. Je veux dire. On dit que physiquement, alors là, c'est le côté timide, hein. On est sur la timidité. On dit que physiquement, quand on est dans ce cas de figure, il faut adopter une posture stable, les pieds ouverts, le dos droit, la tête haute. C'est-à-dire, faut pas être avachi. Faut vraiment s'imposer, s'affirmer en disant, il faut pas se laisser écraser en quelque sorte. Il faut pas se laisser faire surtout. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et même physiquement, c'est pas parce que personne fait deux ans. J'ai été comme ça à une certaine époque, hein. Je veux dire, après, j'ai atterri dans un milieu où j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et qui m'a forgé, donc c'est pour ça que maintenant j'ai même tendance à être un peu plus sec. Par exemple, oui, mais si par exemple il y a une différence physique, si t'as quelqu'un qui fait 2 mètres de haut, qui est baraqué, tout ça, tu lui dis quand même. Ah oui, crains les gars. Parce que ça, il faut pas avoir peur aussi de qu'une personne fait 3 têtes de plus et 15 tours de biceps de plus qu'elle est plus forte, quoi, je veux dire. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des échanges physiques avec des personnes plus costauds que moi.
Et que finalement, en 5-7, bah, la personne, ouais, bah, tu fais 1m98, 115 kilos et 45 de tour de bras, bah, ouais, mais en 10 secondes, t'es par terre, mon gars, je veux dire. Ouais, mais là, c'est pas, là, la force physique, il n'y joue pas, mais c'est que ça veut dire que c'est pas parce qu'il est plus, voilà, il est plus fort, il est plus tout ça, qu'il doit se dire, voilà, je suis plus fort, donc je vais passer. C'est ça. Et je vais automatiquement écraser les plus faibles, dans son espace vital. C'est un petit peu ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est qu'il faut, même les plus faibles doivent s'imposer en disant, écoute, c'est pas, tu peux faire 2 mètres ou tout ce que tu veux, t'as pas à m'écraser, t'as pas à m'imposer. Puis c'est aussi après avoir ben c'est ce qui après c'est ce qui donne confiance en soi quoi se dire voilà ben, écoute ouais tu fais peut-être 2 mètres de haut bon voilà ben les colorones je les ai là tu vois je les porte tu me fais pas peur quoi je veux dire et puis après t'as cette satisfaction de te dire je me suis pas laissé abattre quoi je veux dire j'ai joué peut-être avec le feu parce qu'il aurait peut-être pu m'en mettre une ou quoi que ce soit c'est ça mais voilà j'ai et puis même pour la personne d'à côté ça peut être aussi une forme devenir une forme de respect de et dire bah, voilà ok j'ai été trop loin je te respecte parce que t'as eu le courage de me dire de me remettre à ma place et quoi, qui aura tort qui c'est qui aura raison à ce niveau là bah après la loi du plus fort ou la circonstance ou le après je pense que si t'as un minimum de cervelle je veux dire il y a pas de plus fort il y a pas de moins fort quoi je veux dire il y a pas de loi du plus fort ou quoi que ce soit quoi je veux dire c'est simplement que ben voilà t'as pris conscience que t'as été trop loin et que ben il y a une personne qui t'a mis gentiment à ta place et ben voilà quoi. Alors en parlant de ça justement en parlant des complexes parce qu'il y a justement il y en a beaucoup qui ont... là on revient sur une discrimination qu'on a fait rarement c'est sur la discrimination physique donc en quelque sorte de l'apparence physique et tout ça il y a un peu voilà tout ce qui est timide alors quoi par rapport aux complexes il y a quand même 10 trucs pour renouer avec soi-même la première chose c'est qu'on dit il faut accepter son physique que tel qu'on est. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ce principe-là ou est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire ? Ah, c'est plus facile. J'aurais plus tendance à dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que moi aussi j'ai tendance à dire, écoute, bah ouais, t'es comme tu es. Ben Daniel, il y a pas longtemps, il l'a fait. Il y a 2 jours encore. Moi-même, des fois, ça m'arrive de me dire quand il me dit, ouais, bon, voilà, ouais, ton petit bidon, je l'aime bien. Tout ça, je dis, ouais, ton petit bidon, ouais, toi, tu l'aimes bien. J'ai dit, moi, là. En même temps, c'est pas toi qui le porte. Voilà, à une certaine époque, moi, c'était des tablettes de chocolat, j'étais carré, j'étais une armoire à glace. Et maintenant, je suis bibendon chamallow, quoi. Je veux dire. Voilà, hein, je me suis encroûté et tout ça. Bah, je l'accepte, attention, totalement, mais il y a des fois où ça me met en rogne. Quoi. Est-ce qu'il faut se regarder dans une glace et se dire automatiquement on est beau ? Moi, je me suis jamais, trouvé moche, donc de toute façon. Non, mais est-ce qu'il faut vraiment se dire dans sa tête et psychologiquement qu'on est beau ? Mais tout le monde est beau. De toute façon, tout le monde est beau. Il n'y a pas de moche, il n'y a pas de. C'est pas une histoire de mocheté, mais est-ce que tu vois, par exemple, si t'as une tête, voilà, fatiguée, tout ça, est-ce que tu vas te dire dans une classe, tu es beau, dans une classe, tu es beau. Tu peux pas être non plus tout le temps au top de ta forme, quoi. Je veux dire, on a tous des moments de fatigue, de faiblesse, etc., etc. Je veux dire, ben après voilà quoi mais bon moi je me suis jamais trouvé face à une glace et me dire oh ouais putain je suis un canon non jamais de la vie quoi. Et dans un couple est-ce qu'il faut accepter la personne telle qu'elle est? Oui. Automatiquement? Moi je fonctionne comme ça donc après c'est toujours pareil je fonctionne comme ça. Mon mari il est maigre comme un sprat à 10 balles et voilà quoi je veux dire non mais il faut dire ce qu'il est il fait 45 kilos tout mouillé. Ouais, il a pas. C'est pas facile pour lui ça non plus. Non, voilà, il accepte pas ça non plus. Il n'est pas musclé ni rien, mais je l'aime tel qu'il est, quoi. C'est tout, quoi. Parce que ça, il a du mal à accepter aussi, tout comme moi. Voilà, moi qui est totalement l'inverse, j'accepte pas comme je suis. C'est pour ça que je pose la question est-ce qu'il faut automatiquement accepter que tel qu'on est Surtout si c'est un physique que tu n'es que qui n'est pas voilà, si c'est un physique au contraire à ce que tu veux être. Bah, le problème, c'est qu'on nous a tous forgé une image de, voilà, d'être mince, tablette de chocolat, etc., etc. Manque de bol, on a tous une morphologie qui est différente. Il y en a qui n'auront jamais les tablettes de chocolat parce que leur morphologie ne le permet pas, c'est tout. C'est pas une question de trop manger ou de trop de quoi que ce soit. C'est parce que t'as une morphologie, bah, t'auras jamais de ta vie des tablettes de chocolat et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, moi je les ai eues, à l'heure actuelle, je sais que je ne peux plus les avoir. Je l'ai tenté une fois, je ne tenterai pas deux fois. Alors, deuxième truc qu'il faut renouer avec soi-même, c'est qu'il ne faut pas faire d'apitoiement inutile, je vais expliquer ça. Il ne faut pas attribuer tous ses ennuis à ses complexes.
Ce n'est pas votre cellulite qui vous fait à perdre votre emploi, par exemple, quoique les discriminations, ça existe. Hein. Et si c'est le cas, c'est tant mieux, parce que des gens qui ne savent pas voir vos qualités et s'arrêtent à de faux prétextes ne vous méritent pas. Et surtout, arrêtez de vous dire que vous êtes trop ceci ou pas assez cela, parce qu'à force de vous le répéter, vous allez finir par le croire. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ce principe ? Oui, tout à fait. Mais là encore, je vais encore répéter que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Oui, voilà. Mais après, bon, moi, je le cache pas auprès de mon homme. Hein, voilà, il me dit, ouais, j'arrive pas à le soulever et tout, j'ai pas de force et tout. Bah, déjà, commence déjà par essayer et après, on verra, quoi, je veux dire. Même si tu le soulèves sur 2 cm, bah, au moins, tu l'as fait sur 2 cm, quoi, je veux dire. Troisième point, il faut se servir de sa langue. Alors, pas, tu vas te poser la question. J'entends bien le... Alors, d'abord, il faut se confier. Mmh. Il faut parler à quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Tiens, c'est bizarre, hein, ça fait bizarre de dire ça. Je t'ai dit hier soir que le sujet d'aujourd'hui est particulier. Alors, il faut parler à quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Mmh. Demandez-lui un avis honnête. Si vous reconnaissez ce défaut, ce n'est peut-être pas un si bon ami que ça, ou il est trop honnête. Alors justement, est-ce qu'il faut faire un juste milieu ? Est-ce que pour toi il faut être hyper honnête et franc, ou au contraire faut être au milieu ? Est-ce qu'il faut être hypocrite pour te faire plaisir pour pas que tu sois trop triste ? Je pense qu'un bon ami c'est quelqu'un qui voilà te cache rien, quoi. Je veux dire, elle est franche avec toi. Si elle a envie de te dire ben voilà t'es un con, ben tu seras un con et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, enfin moi l'ami je le vois comme ça, quoi. Je veux dire, c'est celui qui va te dire franchement. C'est censé être celui qui te connaît le mieux, en plus, donc voilà, quoi. Moi, toute critique est bonne à prendre, quoi. Et les confidences, tu te peux confier à tout le monde ou à des personnes précises? Ah, j'ai du mal à me confier, moi, donc je suis pas du genre à me confier, déjà, donc après, oui, j'en parle, mais généralement, j'en parle aux amis très proches, donc vraiment à ceux que je leur fais vraiment confiance. Voilà, mais je suis du genre à très peu me confier. Est-ce qu'il faut, alors là, question très importante, est-ce qu'il faut se confier à des personnes inconnues sur Facebook? Ah non, non, bah non, c'est trop facile. Et puis en plus, on ne sait pas qui en a affaire. Voilà, et puis même la personne ne te connaît pas, enfin voilà, enfin moi je suis pas du genre à me confier sur des personnes ou à dire des choses à des personnes que je connais pas. Autre point, il faut échanger ses défauts. Est-ce que tu as... Alors, explication, il faut demander à ses amis s'ils ont un défaut qu'ils aimeraient corriger. Et par rapport à ça, tout le monde a quelque chose à se reprocher et tout le monde vit très bien comme ça. Est-ce qu'il faut partager et échanger ses défauts entre amis ? Je sais pas, alors là, je... Est-ce que, d'abord, il faut assumer ses défauts. Oui, voilà, déjà oui, il faut les accepter. Déjà, un. Déjà, soi-même, hein. Soi-même, il faut déjà l'assumer. Après, les partager... Est-ce que tu es capable de dire t'as fait une connerie, ou alors t'es un tel et tu dis à tes amis, voilà, tu dis à un ami, je suis comme ça, j'ai un défaut, ou est-ce que t'as ta fierté qui prend le dessus? Ou est-ce que tu n'acceptes pas, ou est-ce que tu veux pas, ou est-ce que tu n'as pas que l'acceptes, mais peut-être que tu l'assumes pas, tes défauts? Bon, ça dépend. Ouais, des fois j'ai ma fierté, hein, je le cache pas. Mais bon, voilà, après j'ai des défauts, oui, j'en ai plein de défauts, comme tout le monde, et heureusement. Certains que j'assume, d'autres moins, oui. D'accord. Et après, ça dépend de qui tu partages. Ah oui. D'accord. Si vos complexes vous gâchent réellement la vie, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Moi, je suis pas tellement d'accord. Est-ce qu'un spécialiste peut régler ses complexes ? Moi, je suis pas d'accord, sinon ça fera longtemps que je serai guéri. Oui, c'est sûr. Donc... Je peux répondre direct à la question, je pense. Surtout que les spécialistes te donnent plus des cachets qu'autre chose. Donc, ça ne résout pas le problème, en fait. C'est ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses à cette question. Non, mais... moi, j'ai jamais eu, non plus affaire à des spécialistes. Donc, voilà, quoi. Alors après, il faut choisir ses amis. Choisir ses amis. Il faut savoir s'entourer de personnes qui vous aiment vraiment pour vous. Il faut éviter ceux qui ont la critique facile et qui ne cherchent qu'à vous rabaisser. Au besoin, faites-vous de nouveaux amis. Au besoin. Les bonnes copines ou les bons copains qui vous balancent un « tu n'aurais pas un peu grossi » sont-elles vraiment des amis ? Ah, très bonne question. Bah, comme on dit déjà, on choisit ses amis, oui, et pas sa famille. Hein. Moi, ça m'a jamais gêné, quoi. Je veux dire, justement, ça. C'est contradictoire. Tout à l'heure, on parlait d'honnêteté. Soit on est honnête, soit on l'est pas. C'est ça. Donc, si on est un bon ami, on est censé tout se dire de A à Z, tout dévoiler. Après, ça dépend peut-être de la manière que c'est dit. Oui, voilà. C'est toujours pareil. Il y a une façon de dire les choses, quoi. Je veux dire, c'est dire, ah ouais, t'as grossi depuis la dernière fois. Ouais, voilà, quoi.
Après, bon, t'aurais pas pris un peu de poids. Voilà, il y a le ton, il y a, enfin, voilà, comme tu dis, il y a la forme. Voilà, il y a beaucoup de choses, quoi. Je veux dire, on le cache pas, hein, tous les deux, c'est arrivé de me dire, ouais, tiens, t'as pris un peu au niveau des joues, t'as pris machin, comme moi, je te l'ai déjà dit aussi, quoi. Je veux dire, mais ça n'a jamais été dans le sens où, dans le sens négatif, quoi, justement. Quelle est pour toi la définition d'un vrai ami? Ben, comme je te l'ai dit hier soir, un ami, c'est là où. C'est une personne que, sur qui tu peux compter ben, quand ça va pas, quand t'es dans le caca et tout. Et voilà quoi, et qui tu sais que voilà, tu peux t'appuyer sur elle à tout moment et vice versa, quoi, je veux dire. Ok. Alors après, il faut compter ses qualités. Il faut faire une liste de toutes ses qualités, par exemple l'humour, l'honnêteté et l'efficacité, c'est ce qu'on dit. Mm-hmm. Et on voit qu'on est vraiment quelqu'un de bien. Donc ça veut dire qu'il faut, on a peut-être beaucoup de défauts, mais il faut savoir aussi reconnaître ses qualités. Et grâce à ses qualités, on se dit qu'on est des bonnes personnes. Alors est-ce que être honnête, c'est être forcément une bonne personne? Bah déjà, être honnête, est-ce une qualité? Est-ce que ça peut être une qualité et aussi un défaut? Ça dépend encore de la forme, voilà, et de la... C'est toujours pareil, c'est à double tranchant. Ça peut être une qualité comme ça peut être un énorme défaut. Chez certaines personnes, ça peut leur porter plus préjudice qu'autre chose, quoi. Hein, je veux dire, trop d'honnêteté tue l'honnêteté, hein, comme on dit. Donc voilà, quoi. Est-ce que l'humour est forcément une qualité? Ben après, on va pouvoir en revenir sur... Peut-on rire de tout ? On a répondu à cette question au début de l'émission, si tu te souviens. Mmh. On a dit que l'humour peut cacher sa tristesse. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi une forme de défaut pour cacher, on va dire, ses défauts. Bien sûr. Justement, l'humour cache ses défauts, donc ça peut être un défaut, justement, l'humour. Bien sûr. Si c'est pour cacher ses défauts, c'est un défaut. Mmh. Si c'est l'humour naturel, là, c'est une qualité. Oui, voilà. Chez moi, c'est naturel, donc voilà. Hier soir, non ? Hier soir, non, c'était pas pareil. Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, après... Bon après moi j'ai du mal à cacher certaines choses donc voilà. Quoi. Et quand t'es dépressif, quand tu fais de l'humour, est-ce que c'est bien de cacher sa dépression en faisant de l'humour? Bah déjà faut arriver à la cacher, quoi. Mmh. Une dépression c'est pas évident à cacher. Physiquement déjà c'est dur. Mmh. Déjà, donc hein. Voilà quoi, moi j'ai déjà été en dépression. L'humour ne passait pas du tout. Toujours sur la discrimination physique aussi, et il faut arrêter de se peser. Est-ce qu'il faut constamment se peser pour savoir où on en est, ou est-ce que ça devient un toc négatif? Ah, je sais pas, moi je me pèse pas alors. Mais est-ce que ça pourrait devenir un toc négatif à force de se peser? Bah oui, bah bien sûr, ça devient une obsession, quoi. N'empêche que pour ça, il faut aussi vérifier son indice de masse corporelle. C'est ça qui fait surtout le poids, ça sert pas forcément à grand chose. Pardon, c'est l'indice de masse corporelle qui juge plus le et les prises de sang, etc. Oui, voilà. Il faut également renouer avec son corps. Alors ça, c'est une autre question. Il faut retrouver les sensations et se faire plaisir avec son corps tel qu'on est. Il faut pas hésiter à aller au hammam tel qu'on est, par exemple, et faire aussi des séances de massage tel qu'on est. Est-ce que tu es d'accord? Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Est-ce que tu irais facilement à la plage nue? Oui. Avec ton corps. Et toi, est-ce que tu irais... Non. Toi, est-ce que tu vas au plan d'eau et que tu te mets torse nu facilement? Non. Voilà. Non. Non, ben non, ça tu le sais très bien. Et puis, ça, c'est mon côté... Oui, mais je suis côté pudique aussi. Après, c'est pas pudique naturel, c'est parce que je n'accepte pas ce que je suis. Voilà. C'est pas la même chose. Je ne montre... J'accepte pas me montrer comme ça publiquement. Alors, c'est pour ça que ça revient à la question, est-ce qu'il faut accepter tel qu'on est? Bah, pas forcément, parce que, puisque c'est un physique auquel je suis, je vais pas détailler tous mes problèmes, mais, c'est plutôt, voilà, tous mes problèmes de santé, tout ça, qui me rendent comme ça et que je n'accepte pas. Si c'était de l'alimentation, là, j'en serais responsable à 100% et là, je suis obligé d'accepter. Or là, c'est tous mes problèmes de santé, de nerfs et tout ça qui me rendent comme ça, donc forcément, j'accepte pas. Mmh. C'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal. Après, pour les autres, c'est pas normal parce que pour eux, ils se disent, ouais, il faut accepter tel que tu es. Mais c'est facile pour eux. Il faut être à ma place pour comprendre. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Et oui, on peut pas être à la place des gens. Oui, mais dans ce cas, on peut pas le juger. Dans ce cas, il faut pas juger. C'est ça. On peut pas juger si on n'est pas à la place d'autrui. On n'a pas le droit de juger, de toute façon. C'est interdit de juger. Mais c'est interdit de juger, mais t'empêches pas les gens de juger. Donc, c'est ça le problème. Hein. Oui. On peut pas les empêcher. C'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés de se moquer dès qu'il y a une apparence physique hors norme. Et ben, ça y est, c'est tout de suite rigolade. Fusiller les regards qui fusillent automatiquement. Voilà. Non, moi, j'ai toujours. Après, on va dire qu'on est parano. Non, on n'est pas parano. Est-ce qu'on peut en être forcément parano de ça? Je suis pas médecin. C'est pas une histoire de médecin, non, parce qu'on dit souvent qu'on est constamment regardé. Après, ça peut, ouais, ça peut, oui, pour, enfin, parano, c'est un même grand mot, hein, attention. Mm. Hein, après, ouais, pourquoi pas se dire, ouais,
à chaque fois on me regarde et tout, alors que c'est pas forcément vrai, quoi, je veux dire, hein. Moi, ça m'est arrivé quand je suis sorti de ce lieu où j'avais cette impression que tout le monde me fusillait du regard, alors que c'est pas du tout vrai, quoi. Je veux dire, c'est parce que c'est cette impression-là qu'on a, quoi. Alors, il faut aussi avec accepter au niveau physique, et eh ben il faut savoir aussi accepter faire des nouvelles garde-robes. C'est ça. Donc ça, c'est dur. Ça va pas être facile de changer de taille de pantalon, par exemple. Bah pour moi, ça n'a pas été facile parce que bon, moi qui mettais à une certaine époque du 38, quand tu passes du 38 au 42 en moins de 6 mois, tu te dis oups. 42, ça va encore. Ouais, mais pas quand t'es habitué à mettre du 38, hein. Oui. Je te dis que quand tu mets après un 38 et tu te le mets là et tu te dis ah ouais, ça fait quand même mon 38, ça me fait une cuisse, quoi, quand même. Ça fait peur, quoi. Ça, t'avais du mal à avaler ça. Au début, oui, j'ai eu du mal. Ouais. Maintenant, je l'accepte, quoi. Je veux dire, maintenant. C'est avec la durée, en fait. Oui, voilà. Maintenant, le 42, c'est devenu naturel. 42, 44, c'est devenu naturel chez moi. Et si ça va encore plus haut, un jour? Il y aurait problème. Mais c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, après, voilà, ça fait mal au début. Après, si t'as moyen de corriger le tir, ben, tu le corriges. Puis si tu peux pas, parce que pour X ou Y raison, ben, tu t'habitues, quoi. Ensuite, il faut savoir rester réaliste. Il faut arrêter de se comparer aux stars des magazines. Il y en a plein qui sont comme ça. Il faut regarder les êtres humains normaux autour de soi. Et les gens réels n'ont-ils pas une beauté plus vraie? Voilà, telle est la question. Est-ce qu'il faut d'abord regarder le physique avant la personne? C'est ça la question. Le physique ne fait pas tout, hein. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le physique qui fait 90% du jugement de... Bien sûr. Après, la personne parfaite n'existe pas, hein. Attention, hein. Et puis, une personne qui est maigrichonne, qui est, voilà, n'est pas forcément aussi bien dans son corps que ce qu'elle peut prétendre. Ah, ça, c'est en soi, mais par rapport aux autres, on vient vers toi on dit que souvent que des gens viennent vers toi, selon 90%, c'est le critère physique. Ouais, peut-être, après, enfin, je sais pas, moi, prête pas attention à ça, donc. Est-ce que les gens qui viennent vers toi, c'est pour ce que tu es, ou c'est parce que c'est physiquement? Je sais pas. Ah, tu l'as jamais constaté, ça? Non, j'ai jamais, Tu as remarqué, par exemple, associativement parlant, je suis obligé de parler par là, de passer par là parce que je l'ai vécu, c'est que, associativement parlant, je suis comme les autres militants, tu vois, je suis à fond dans mes principes, tout ça, mais quand on me voit en vrai, on n'ose pas venir vers moi parce que j'ai un look, j'ai une apparence qui, ne correspond pas à leur, voilà. C'est comme, par exemple, ça aussi, je suis dégoûté de ça, c'est que, associativement parlant, on dirait qu'il faut quelqu'un de beau et bien, voilà, que ce soit au niveau du look, au niveau de apparence, afin de bien représenter l'association. Est-ce que ça, tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Après, bon, moi, c'est vrai que j'ai pas de mal à aller vers les gens, donc, comme ça s'est passé à Aix, hein, quand on est arrivé à Aix, on est venu directement sur moi. Bon, ça m'a pas plus posé problème que ça. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'une déjà dans une association, est-ce qu'il faut avoir un look particulier? Non, est-ce qu'il faut avoir un diplôme particulier? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières? Etc. Bah non, bien sûr que non. Après, parce que la discrimination, il y en a dans les assos. C'est pour ça que je dis souvent, mais apparemment, il faut être bien looké, bien dans sa peau. D'accord. Ça je peux le comprendre. Par contre, dès que voilà, il y a quelqu'un qui a une corpulence forte, ben ça dérange. Il y en a qui juge des critères physiques, quoi. Et moi, à Bordeaux, par exemple, je suis obligé d'en parler, je suis désolé, hein, Bordeaux, il y en a qui m'ont repoussé parce que physiquement, j'étais pas dans leur corde. Alors, bien sûr, j'avais mes problèmes de santé, mais tu vois, je ne cache pas mes problèmes de santé, j'ai toujours assumé. Il faut d'abord toujours assumer ses faiblesses et ses défauts. Il faut toujours les assumer. Et est-ce que pour toi, il faut pas les cacher à autrui, ces défauts et ces... Non, je pense que les cacher, c'est pas les accepter, et c'est ne pas être naturel. Et on dit souvent qu'il faut accepter les gens tels qu'on est. C'est ça. Donc d'abord, il faut accepter nous-mêmes tel qu'on est, après aux autres de s'adhérer on ne demande pas de tout accepter, mais au moins voilà, déjà c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps, il y a deux jours, et c'est un petit peu dans notre slogan, c'est ne jugez pas autrui alors qu'on n'aimerait pas qu'on vous juge. C'est ça. Et puis c'est voilà quoi, c'est tu veux, c'est comme le respect, quoi. C'est tu veux être respecté, ben respecte-moi déjà si tu veux que je te respecte, etc. C'est l'un ne va pas sans l'autre.
On continue sur le sujet de pour vaincre la timidité et sa peur, hein, la confiance en soi notamment. On va revenir justement sur la confiance en soi. On dit que la confiance en soi, ce n'est pas inné et un peu plus. On parle d'un peu plus d'estime de soi, d'expérience et de culot peuvent vous permettre de vous affirmer plus facilement. Mmh. Alors premièrement, il faut pas fuir les regards. Dès que quelqu'un vous regarde franchement, vous baissez les yeux et détournez la tête. Donc il faut arrêter de fuir le regard de l'autre. La communication ne passe pas uniquement par la parole. Les expressions, les vôtres comme celles de votre interlocuteur, sont importantes. Bien sûr, n'exagérez pas et ne dévisagez pas l'autre à tout bout de champ. Oui, c'est ça. Puis du fait de baisser le regard, c'est aussi une façon de soumission, quoi, on va dire. Hein. Donc voilà quoi. Non, il ne faut pas avoir peur de regarder droit dans les yeux. Moi, quand je marche dans la rue, j'ai les yeux qui sont droits, quoi, je veux dire. Hein, et les gens, je les regarde droit dans les yeux, quoi. Mmh. Sans dévisager, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais voilà, juste ce qu'il faut, quoi, je veux dire. Voilà. Sans fuir le regard, d'abord, est-ce que c'est un manque de respect de ne pas fuir le regard ? Bah, c'est. Moi, je dis que non, ne pas le fuir, c'est pas un manque de respect, hein, justement, c'est de dire, voilà, si t'as besoin de me dire quelque chose, je suis là, quoi, tu vois, tu me vois, quoi, je veux dire, mmh. Voilà. Mais c'est pas tu me fais peur ou quoi que ce soit. Quoi. Pourquoi il faut regarder dans les yeux en trinquant ? Parce que c'est, je sais pas, ça a toujours été une forme de respect et moi j'ai toujours connu ça, donc après c'est plus aux anciens, je pense qu'il faut en parler, mais. Ah d'accord, c'est. Enfin, moi j'ai toujours connu ça, donc on m'a toujours dit ouais quand tu trinques c'est les yeux dans les yeux. D'accord. Et les mains dans la main, non c'est pas ça ? Ouais, ouais, ça dépend où c'est que tu mets la main après, mais après voilà. Alors ensuite, deuxièmement, il faut recycler sa peur. Recycler sa peur. Oui. Alors, si on éprouve une peur quasi panique dans des situations nouvelles, ne dépensez pas toute votre énergie et vos pensées à essayer de dissimuler votre nervosité. Essayez au contraire de la transformer en action. Il faut parler et aller vers les autres. Oui, c'est ça. Il faut vaincre, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas de se dire hein, j'y vais pas. Non, c'est bah écoute, t'y vas et puis voilà, quoi. De dire le pas, il faut le faire. De toute façon, il y a un moment donné, c'est comme assumer ses actes, quoi, je veux dire. Hein. Il y a un moment donné, ben ouais, c'est bien beau, tu vois, quand tu mens. Et puis, mais quand t'es face à la vérité, ben après, il faut assumer, quoi. Et s'enfuir du regard. C'est ça. Et ça aussi, il faut quand même droit dans les yeux, entre quatre yeux. C'est un peu le vécu que j'avais eu avec mon père adoptif, hein, je veux dire. Hein, mon père adoptif qui était bon, une bonne amour à glace, un sanguin pur et dur. Voilà, ben quand il faut assumer, c'était droit dans les yeux, quoi. Et si c'est pas droit dans les yeux ? Tu le prends comment ? Moi, je le prends très mal. Ça veut dire que déjà, tu n'assumes pas et tu n'écoutes pas aussi ce que je vais avoir à te dire en retour. Donc tu n'acceptes pas non plus les critiques. Voilà, c'est ça. Et forcément. Puis, tu t'en fous, quoi, en fait. Mm-hmm. Donc, tu te fous de ce qu'on va te dire, etc., etc. C'est là qu'on se dit, quel dommage. Mais quel dommage qu'ils soient pas là, zut. Mais donc déjà, c'est la lâcheté aussi. C'est ça. Alors, fuir et la fuite, non, par exemple, aussi. Fuir la critique. C'est de la lâcheté. Oui, voilà. De toute façon, c'est une forme de lâcheté. Et ne pas accepter la critique aussi, en fuyant. Il faut savoir l'accepter. Moi, c'est vrai qu'avant, j'étais comme ça. Voilà. Ah oui, t'étais comme ça. Avant, oui. Et puis, quand j'ai connu ce milieu très fermé, ben voilà, quoi, je veux dire, c'est là où on apprend beaucoup sur soi-même et beaucoup aussi sur les autres, parce que là, c'est un milieu très restreint et il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Donc, t'es obligé d'affronter le regard, d'affronter la critique, t'es obligé de la prendre, quoi. Troisième point, il faut créer le contact. Alors certes, engager la conversation avec un inconnu ou même avec votre voisin de palier vous semble insurmontable. Il faut se dire que tout le monde est nerveux lorsqu'il doit aborder une tierce personne inconnue, notamment. Justement, il faut se forcer à créer le contact au lieu de chercher continuellement à l'éviter. Cela devrait vous rassurer et vous permettre de trouver les meilleurs moyens de nouer les relations. Donc là, c'est une histoire de confiance en soi. C'est ça. C'est un peu ce que je fais, tu vois, quand au sein de la protection civile, quand il y a eu les vœux du maire à Sisteron. J'étais tout seul, j'y suis allé, je suis allé vers les gens, je suis allé vers les députés, je suis allé vers le commandant de la gendarmerie, vers le commandant des pompiers, etc., etc. Chose que je ne ferais pas. T'as vu François Hollande, il me semble. Bien sûr. T'étais pas tremblant. Ça a été la poignée de main. La poignée de main fière. Même avec Angela Merkel, quoi, je veux dire. Hein, je lui ai serré la main, ça a été un regard franc dans les yeux, et voilà, quoi. Une fierté, forcément, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on serre la main
du président de la République, de notre président, ouais. Et puis aussi de la chancelière allemande, quoi, je veux dire. Hein, donc, non, ça a été. Voilà. T'avais pas les mêmes mois, t'avais pas peur. Justement, c'est pour ça que Marion, donc présidente de la protection civile, m'a demandé à ce que je vienne, parce que voilà, elle savait très bien que déjà j'ai la carrure et qu'il n'y a pas d'intimidation, il n'y a rien, quoi, je veux dire. Hein, donc, voilà, quoi. Ok. Donc, et quand c'est des inconnus, il faut se jeter. Oui, il faut y aller, quoi. Je veux dire, moi, quand je parle associativement parlant, donc que ce soit pour notre association ou pour la protection civile, on est là aussi pour représenter l'image, quoi. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, si les gens viennent pas à toi, va vers les gens, quoi. Je veux dire, faut pas hésiter à y aller et à prendre son courage à deux mains, quoi. Et ne serait-ce que de dire, voilà, bonjour et tout, vous allez bien, voilà. Pouf. Et après, bon, tant qu'il y a un dialogue, quoi. Je veux dire, ça commence tout connement au début. Alors ensuite, toujours sur la confiance en soi, il faut se jeter à l'eau, tout simplement. Il faut pas hésiter à découvrir de nouveaux milieux et à faire de nouvelles expériences. Petit à petit, on deviendra capable de s'adapter à de nouveaux contextes en un rien de temps. C'est ça. Alors. C'est ça, regarde, quand j'ai pris la prise de parole à Aix, j'y suis pas allé franchement confiant. Mmh. Puis une fois que t'es dedans, quoi, je veux dire, hein, j'aurais pu faire... 10 minutes de speech ou un quart d'heure, une demi-heure, quoi. Je veux dire, une fois que t'as le pouvoir, tu l'as, quoi. C'est là que j'en parlerai en fin d'émission, enfin en fin de sujet. Tout à l'heure, tu vois, tu me dis il faut que je fasse un effort pour parler à Gap, ou même j'aurais pu le faire à Aix. C'est pas une histoire de manque de confiance en moi, c'est pas une histoire de confiance, c'est une phobie. Et j'en parlerai tout à l'heure, c'est la phobie sociale. Donc il faut pas confondre manque de confiance en soi et être phobique. C'est ça qui est très... C'est pas évident, ça. Donc, toi, tu ne le vois pas comme ça, en fait. Non, je te vois avec ton regard. Tu me trahis pas, là. Non, hein. Mais je le vois pas comme ça. Je me dis que c'est comme tout. Toute phobie est pas insurmontable, hein. Je veux te dire, moi, je suis arachnophobe. C'est pas pareil. Non, mais j'ai tenté. On fait pas une phobie sociale et la phobie des araignées. Mais toute phobie est pas insurmontable, quoi. Je veux dire, après, il faut y aller progressivement, quoi. Je veux dire, il faut pas. Il y a un début à tout, quoi. Je veux dire, il faut savoir se lancer, quoi. Je veux dire, c'est tout con, quoi. J'irais dire que c'est tout con, quoi. Je veux dire, même moi, quand je vais faire une prise de parole, je suis pas tranquille, hein. Je te le dis honnêtement, parce que qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire. Alors justement, tiens, comment tu t'es senti à Aix la semaine dernière quand tu as pris la parole? Honnêtement, déjà, je savais pas quoi dire. Donc jusqu'à l'arrivée du micro, je savais pas ce que j'allais dire. J'ai essayé de me faire un speech rapide comme ça. T'avais confiance en toi ou pas du tout? Alors au départ non, j'avais franchement pas confiance parce que du fait que je savais pas ce que j'allais dire, etc. Et puis quand j'ai eu le micro dans les mains, tout est venu normal en fait. Quand on a rencontré le maire, on savait pas quoi dire, on n'avait rien, hein, on n'avait pas de questions. Mais même si on avait une trame, c'est venu naturellement. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai eu le micro dans les mains et tout, tout est venu naturellement. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce qui est venu à mes yeux le plus important, quoi, je veux dire, hein, pourquoi on était là, etc. Je me suis pas étalé sur certains sujets, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, hein, Quand il a présenté l'association Equality de je sais plus quelle blague, et que je lui ai dit non, c'est Sisteron, parlons Sisteron et tout, j'ai dit bon, ben voilà, nous sommes une association, c'est la première fois que nous faisons la marche des fiertés à Aix-en-Provence, et nous vous remercions de votre accueil. Donc là, ça s'adressait. Si tout va bien, on aura peut-être la vidéo, mais il faut qu'on se renseigne. Hein. Ça s'adressait aux organisateurs, etc. Et puis voilà. Mm-hmm. Et puis bon, ben voilà, j'ai expliqué pourquoi on était là. Et puis. Et où les cœurs, t'as dit. Et où les cœurs pour finaliser, parce que j'avais pas quoi dire. Donc, ben où les cœurs, quoi. Voilà. C'est comment ça t'est venu comme ça de dire où les cœurs. Pourquoi t'as dit ça? Ben je sais pas. Où les cœurs. C'est ça, où les cœurs. Oui, mais t'empêches que. Et ça marche. Et pourtant, malgré ce qu'on dit, parce que tu savais pas quoi dire, et pourtant t'as été le seul. Dans tous les discours qu'il y a eu, c'est ça. À avoir un discours de militant trans et le public qui a réagi, t'as été le seul. C'est ça. Et j'ai serré plein de mains. En plus. Parce qu'en plus il y avait le look. Alors, c'était volontaire aussi de ma part parce que t'avais le look et c'était le but recherché parce que pour montrer qu'on faisait la cause trans et que. Alors moi j'aurais pas pu le faire. C'est ça. Disons que ça a surpris déjà parce que moi j'ai serré la main à une jeune fille. Lesbienne et qui quand j'ai parlé a été vachement surprise parce que je l'ai vu faire des yeux parce qu'elle pensait que j'allais avoir une voix efféminée, quoi, alors que non, quoi, là j'ai eu exactement la même voix que j'ai là, quoi, et du coup elle m'a regardé comme ça et après à la fin donc elle s'est légèrement levée pour me serrer la main, quoi,
j'ai rien demandé, quoi, je veux dire. Mais bon, voilà, quoi. Et d'où le, après le, ce grand moment d'applaudissements, etc., etc. Après, bon, j'attendais pas forcément ça en retour, mais bon, voilà, quoi. Alors, peut-être, on expliquera pour Paris, parce que c'est vrai que bientôt, tu vas être en vacances, hein. Il te reste deux émissions. C'est ça. Il te reste samedi prochain et le mercredi 15. On expliquera pourquoi on fait un mercredi. Comment dire, pour Paris, on va doubler. La cause trans. Donc on a des idées, on ne dira pas plus, mais à Paris on va doubler notre ça, marche. Et puis, ben, s'il y aura une prise de parole, il y aura prise de parole. À Paris, non, je crois pas. Marseille peut-être. Oui, Marseille, oui. Et Gap. Gap, sûr. Oui, mais Gap, on n'aura pas la banderole. Ouais. Mais Marseille, je pense que oui, et Gap aussi. Mmh. Mais Paris, non, il y aura pas de prise de parole, il y a trop d'associations, c'est pas possible. Après, si on a, il y aura peut-être des interviews, ça par contre, ça va pouvoir marcher. Ouais. Je pense qu'à Paris, côté visibilité, mais là, par contre, il va falloir bien pousser là-dessus. C'est ça. Et puis, merci aussi pour toutes ces critiques, parce que sur Paris, elles vont bien servir. Oui, je pense, parce que au contraire, tu vois, la critique va me faire une force. Encore plus. Alors quand j'ai dit que tu vois, pour revenir sur l'histoire des critiques, moi j'ai réagi sur Facebook à ça. Mmh. J'ai dit nous on les accepte les critiques, mais à condition que ces critiques soient constructives. C'est constructif, on les écoute, on les prend en compte tout ça. En revanche, si c'est pour juger, alors qu'on ne connaît pas, on sait même pas comment on fonctionne tout ça, de là dire que voilà tu singes, que tu fais une singerie, moi ça me blesse. Mmh. Qu'on dise certaines choses, moi ça me blesse. Ça, notamment sur les réseaux sociaux, c'est tellement la critique facile à deux balles. Voilà, il faut Est-ce qu'il faut prendre finalement en compte les critiques faciles sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut dire voilà c'est virtuel, il faut pas prendre en compte, il faut passer à autre chose. En plus c'est surtout des personnes qui se permettent de critiquer mais qui n'étaient pas sur place. Je trouve que c'est facile, quoi, je veux dire c'est de la méchanceté gratuite. Si t'es capable de faire mieux, écoute, va sur place et fais, quoi, je veux dire, fais ce que t'as à faire et on verra si tu fais mieux. C'est ça. Alors je continue sur la confiance en soi. Alors il faut pas imiter. Alors certes, il peut parfois être utile de prendre comme modèle quelqu'un qui est toujours sûr de lui. Néanmoins, cette imitation a des limites. La confiance en soi se manifeste différemment selon les personnalités et le style de chacun. Vous ne pouvez donc pas copier votre attitude sur les autres. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Cherchez votre propre mode d'expression. Et malheureusement, il y a des copier-coller, je vais pas les citer, hein. Mais il y en a un proche de toi d'abord, que je suis obligé de dire, je donnerai pas le prénom, mais il faut être comme ça et ne pas copier, c'est possible. On a notre propre identité, quoi, je veux dire, on a tous une façon de s'exprimer différente. Voilà, et une personnalité différente, donc du coup, forcément, on va pas interagir de la même manière, quoi. Donc, c'est vrai que tu peux t'appuyer sur une personne, mais ça, c'est avec des limites, quoi. Voilà. Je veux dire, tu peux prendre exemple, faire un copier sur une personne, mais le tourner à ta sauce. Ouais, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, tu prends. Rester soi-même sans copier. Oui, non, mais si tu sais pas comment tu vas réagir ou quoi que ce soit, bah tu vas t'imposer, comme par exemple moi j'ai une façon de m'imposer, bah tu vas prendre un début de ma façon d'imposer mais tu vas l'arranger à ta sauce. Alors est-ce que pour avoir confiance en soi il faut automatiquement dire je suis le meilleur? Non, parce que moi je me suis jamais considéré comme le meilleur, comme je sais tout, j'ai tout vu. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, la méthode Coué? Oui. Vraiment, il faut utiliser cette méthode. Ça veut dire répétez-vous je peux y arriver ou je suis le meilleur. Alors je peux y arriver, ça c'est sûr. Mais je suis le meilleur, non, c'est pas possible. Non. Personne n'est au-dessus de tout le monde. Hein. Voilà, je suis le meilleur, ça veut dire que tu ne fais jamais d'erreur, tu ne fais jamais de faute, non, c'est faux. Et par contre, je peux y arriver? Oui, on peut toujours, y arriver. Quand on veut, on peut, c'est ça, c'est tout ça. À fait. Moi, j'ai une personne qui a passé... je vais même faire encore mieux, j'ai tenté un BEP comptabilité, je l'ai fait, je l'ai raté. Mais t'as essayé. Voilà, j'ai essayé. Donc voilà, qui tente rien, quoi, je veux dire. Le résultat, on s'en fout du résultat principal. Bah écoute, t'as essayé, ça a pas marché. Déjà, on peut avoir la fierté d'avoir essayé. C'est ça, tout à fait. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Même si c'est un échec, eh ben tant pis. On dit qu'il faut, faut apprendre de ses échecs. Je prends l'exemple de mon mari, hein, qui a tenté le concours de gendarme volontaire. Ben, il a échoué, il est arrivé, ouais, j'ai échoué, c'est pas grave, t'as essayé, c'est tout ce qui compte. Et on apprend de ses échecs. C'est ça. C'est après, il faut analyser son échec, et de manière à ne pas le reproduire, d'en faire une force, quoi, je veux dire, tout simplement. C'est le négatif, le transformer en positif. Mais par contre, je suis pas d'accord sur le je suis le meilleur. Non.
Personne n'est au-dessus de tout le monde, non, personne n'est meilleur. Personne n'est au-dessus, comme on le dit, hein, personne n'est au-dessus des lois ou quoi que ce soit, quoi, je veux dire, donc là c'est pareil. Alors on dit, d'accord, la pensée positive donne des résultats pour le moins aléatoires, mais cela ne coûte rien et peut s'avérer payant, car parfois il suffit d'un petit coup de pouce pour passer dans le camp des vainqueurs. C'est ça, et puis il faut pas grand-chose, quoi, je veux dire, moi ça m'est arrivé, la fois où j'ai passé mon permis, ouais, ben, c'est bon, au bout de la cinquième, je dis c'est mort, quoi, je l'aurai jamais ce permis, c'est pas possible. Mmh. Ben, finalement, je l'ai eu, quoi, je veux dire. Donc voilà. Il y a un moment donné, ben, à force de bousculer le dessin, ben, ça marche, quoi. Alors, septième point sur la confiance en soi, il faut, quoi qu'il en soit, s'affirmer. Mais vraiment, s'affirmer, dans le sens propre du terme. Est-ce que parler fort, c'est forcément s'affirmer et avoir confiance en soi? Oui, je pense, oui. Je pense qu'il faut, Eh bien, non. Pas forcément. C'est pas parce que tu parles plus fort que tu. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Non, c'est sûr que c'est pas en haussant plus fort le ton que ça fait de toi, une personne importante ou autre. Ou fiable, même, parce que, oui, voilà. ou que tu as raison, même. C'est ça. Vrai. Non, non, ça n'a rien à voir. Justement, un bon discours est un discours posé, de toute façon. Parler plus fort que l'autre, ça ne sert à rien. Et chuchoter avec la main devant la bouche, ça fait quoi? Ah, j'aime pas ça, hein. Ça. Je trouve que ça fait très. Ça fait, voilà, ça fait le côté vraiment timide et pas sûr de soi. Alors, timide, c'est normal. Mais pas sûr de soi. Voilà. Alors, chuchoter, non, c'est pas forcément. Est-ce que ou alors, s'il y a du monde autour, par exemple, t'as du monde autour, tu veux t'adresser à la personne, tu chuchotes. Tu veux pas forcément que ça se sache auprès des autres. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? Est-ce que chuchoter, s'adresser uniquement à la personne sans qu'il y ait autour de soi que ça se sache pas? Bah, disons que tu peux attendre. Je veux dire, si t'as quelque chose à dire, t'attends d'être seul avec cette personne et de lui dire. Et on peut dire que c'est quelque part un manque de respect aux autres personnes. Moi, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est totalement un manque de respect. Mm-hmm. Si ça peut concerner tout le monde, bah, à ce moment-là, tu t'adresses à la communauté. Mais si c'est quelque chose de privé que tu dois dire à la personne, bah, t'attends. C'est du reste en privé, mais pas autour de soi. T'attends d'être seul avec la personne et tu lui dis, quoi, je veux dire, voilà. Chuchoter avec la main dans la bouche. Et puis, en plus, le problème, c'est si c'est chuchoter pour critiquer les autres, là aussi, je vois rouge. C'est ça. Parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. C'est pour ça, moi, généralement, quand je vois marmonner ou un truc comme ça, je dis toujours, t'as quelque chose à dire. Ouais, c'est ça. Vas-y, dis, parce que. Voilà, parce que... il faut oser le dire, ça. Ah ouais, moi je le fais à mon homme, hein, donc quand je le vois marmonner ou des trucs comme ça, je dis attends, t'as quelque chose à me dire, n'hésite pas, quoi, je veux dire, y a pas de souci. C'est comme Mister, tu vas dans le couloir, que j'entends marmonner, c'est ça, rien, t'as quelque chose à me dire, tu le dis en face, tu le dis, quoi, voilà, c'est ça c'est souvent comme ça, hein. Après adviendra ce qu'adviendra, quoi, je veux dire, mais au moins dis-le, quoi. Je veux dire, voilà, même si j'ai quelque chose à dire et que je sais pertinemment que j'ai de fortes chances d'en prendre une dans la tête, après ce que je vais te dire. Ouais, mais au moins, je te l'aurais dit. T'accepterais mille fois, finalement, une critique claire, nette et précise devant toi, plutôt que quelqu'un qui, plutôt que quand on chuchote à son voisin. Je préfère savoir les choses par devant que par l'arrière, forcément. Et si on le chuchote à son voisin? Non, j'aime pas ça. Voilà. Non. C'est tout, c'est du style, c'est comme si moi j'allais te chuchoter quelque chose sur Alex, alors qu'il est à côté de moi. Je veux dire, c'est complètement débile. Autant que je lui dise, écoute, tout à l'heure, faudra que je te parle. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais il faudra que je te prenne la part pour que je discute avec toi. Stop, ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout. Donc là, il n'y a pas besoin d'être timide là-dessus. Faut, non, c'est il y a une histoire de respect, quelque part. C'est du respect, point. C'est même pas une histoire, c'est du respect. On est d'accord. Ensuite, il faut pas choisir des objectifs irréels. Et j'explique. Votre manque de confiance en vous votre manque de confiance en vous vient d'un sentiment permanent d'échec. Donc il faut arrêter de vous fixer ou d'accepter des objectifs inaccessibles. L'une des clés de la confiance en soi est le réalisme. Vous devez connaître vos capacités et surtout vos limites. Éventuellement, segmenter votre objectif en petites étapes intermédiaires. Réussir à passer ces petites étapes vous aidera à réaliser vos buts à condition de rester dans les limites du raisonnable. C'est ça. C'est ça, c'est comme quelqu'un qui veut faire de la musculation, il va pas soulever directement 500 kilos. Tu sais que tu n'y arriveras pas. Donc, vaut mieux commencer à soulever 15 kilos et faire plusieurs séries de 4 fois 15 kilos, et au fur et à mesure, tu augmentes au niveau du poids pour atteindre tes 500 kilos. Voilà, quoi, je veux dire, il faut toujours commencer au bas de l'échelle et non pas en haut. C'est comme une maison, tu la construis pas par la toiture, sinon elle tombe. Bah là, c'est pareil. Ensuite, on dit qu'il faut progresser parce que il faut toujours, pour éviter ces échecs, il faut continuer, il faut d'ailleurs devoir connaître ses erreurs.
C'est ça. Faut reconnaître ses erreurs. Oui, reconnaître totalement. Il faut évaluer de manière précise les raisons de ces échecs passés, et aussi bien professionnels que privés d'ailleurs. C'est ça. Et en évitant de reproduire d'anciennes erreurs, il faut pouvoir, tout simplement. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour, c'est pour apprendre de ces erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? Ben, faut pas les reproduire. Et puis, faut simplement améliorer. Oui, voilà. Améliorer, la confiance en soi, et puis aussi, ne pas les recommettre. De toute façon, on apprend de ses erreurs, il faut savoir analyser. Reconnaître son erreur et puis ne pas la reproduire, tout simplement. Dis-moi, je vais pas encore pointer du doigt une personne particulière, mais reproduire ses erreurs, reconnaître ses erreurs et les reproduire le lendemain sans cesse. Oui, c'est parce qu'il dit qu'il reconnaît, mais il reconnaît rien du tout. Donc voilà, et il fait pas l'effort de reconnaître. C'est mm-hmm. tout ça. Donc oui, et puis il accepte pas. Oui, voilà, c'est du comment on appelle ça. La lâcheté, pour moi. Oui, mais ça, bon, c'est un nom beaucoup plus subtil que ça. Subtil. Oui, puis c'est pas mature, quoi. Je veux dire, tout simplement, quoi. C'est de l'immaturité, quoi. Je veux dire, tu n'assumes pas, ben ouais, tu joues petit jeu, quoi. Je veux dire. Et puis après, tu te permets de faire le grand bonhomme de 35 balais et de dire ouais, c'est nanani nanana. Mais par derrière, tu me casses la gueule, mais par devant, tu fais pipi dans ton froc, quoi. Et c'est pas ça qui va le rendre plus fort, et c'est surtout pas ça qui va lui rendre qui va lui donner une bonne image. C'est ça. Et c'est ça qu'il comprend pas aussi quelque part. C'est ton comportement, c'est, comme je dis, hein, quand t'es dans la rue, tu portes une image, tu portes ton image, ben, quand tu fais des conneries, ben, c'est ton image que tu salis, quoi, hein, je veux dire. Donc, après, faut pas s'étonner que les gens ont une mauvaise image de toi, quoi. Et dixièmement, pour avoir confiance en soi, alors s'il te plaît, ne me regarde pas des yeux bizarres, s'il te plaît, quand je vais dire ça, il faut faire du sport. Le sport aide, sans problème. Le sport aide. Après, le sport est un bien grand mot. Hein. On ne demande pas d'aller faire 150 km par jour, quoi, je veux dire, hein, il n'y a pas besoin de ça. Hein. L'activité physique, oui, aide énormément à avoir confiance en soi. Voilà. Ça sert à évacuer quelque part aussi le stress, la peur. Est-ce que ça peut faire du sport, est-ce que ça peut aider à vaincre sa timidité? Alors je sais que la boxe, oui, parce que souvent la boxe permet à la fois de se défouler, mais aussi un petit peu de s'affirmer justement. Bah ça t'oblige à aller à l'affrontement, ça t'oblige à donner des coups, mais aussi à en recevoir. Mm-hmm. Donc il faut accepter en recevoir aussi. Voilà, parce que taper dans un sac c'est bien, mais le sac ne te rendra jamais les coups. Puis il te parle pas en retour non plus. Voilà, c'est ça. mais oui, c'est tout est un défoulement, quoi. Je veux dire, moi, quand je suis énervé, bah, je vais faire une marche et puis voilà, quoi. Et ça marche pas forcément loin. Je vais juste faire le tour du quartier, mais ça suffit amplement. Et moi qui te dis, ça marche. Oui, ça court même. Même ça court. Tu penses que la marche, ça te suffit pour défouler? Ah oui, bah, vaut mieux ça que d'arriver à l'acte physique, quoi. Alors maintenant, question. Fuite ou agression? Est-ce qu'il faut fuir ou au contraire aller à l'agression? Je dirais ni l'un ni l'autre quand même. Fuir, c'est lâche. Mm-hmm. C'est peut-être aussi lâche de l'agresser parce que c'est une forme de violence histoire de s'affirmer pour finalement continuer à avoir raison même si t'as tort. Si c'est justifié et de monter en agressivité verbale par exemple et que c'est totalement justifié, il y a pas de honte, quoi. Je veux dire, il y a pas de. Donc quand t'as un excès de colère par exemple, même un excès de mépris, pour toi par où il faut passer? Si je suis en colère envers une personne, ouais. Je préfère franchement m'effacer que de lui rentrer dedans. Donc la fuite. Ouais, je préfère, mais pas pour moi. C'est plus pour elle que je le fais. Ça te ressemble d'être comme ça, normalement, de faire la fuite? Alors, généralement, à l'origine, je vais vite à l'affrontement, hein, parce que je suis quelqu'un qui... j'ai toujours été comme ça. Maintenant, je me connais. Je sais que je peux faire très mal. Donc, c'est déjà arrivé. Voilà, quoi. Donc, je ne veux pas... je suis pas du genre à mettre non plus en danger la personne, quoi. Alors, quand on dit que les comportements de fuite, de passivité et de dévouement forcé ne vont pas sans de profonds malaises physiques et psychologiques pouvant aller jusqu'à des états dépressifs, quant au comportement d'agression, il fragilise la relation aux autres en provoquant la méfiance, la peur, la fermeture et le rejet. C'est ce qui est dit au niveau des psys. Dans nos modes de fonctionnement les plus primaires, là où l'intelligence et le raisonnement sont hors circuit, nous ne sommes guère différents de l'animal, nous ne sommes pas très éloignés non plus du petit enfant qui, pour obtenir ce qu'il veut, ne connaît dans un premier temps que les larmes ou la colère, n'est-ce pas ?
Et que fera, et d'ailleurs, que fera cet enfant si ses larmes et ses colères ne sont pas suffisamment prises en compte, s'il se sent pas trop insatisfait dans ses besoins et ses désirs? Alors, pour tout ça, il cherchera tout simplement à obtenir ce qu'il veut de façon plus détournée. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu vois l'image? Ah oui, non, mais bien sûr. Est-ce qu'on peut finalement se reconnaître là-dedans? En tant qu'adulte? Bah oui, totalement. Oui, oui, mais différemment. Voilà, c'est différemment. Après, moi, je vais pas me rouler par terre ou taper du pied parce que je n'aurai pas ma caravane ou un truc comme ça, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, bon, ben voilà, hein, il faut. Si t'as pas, t'as pas, et puis c'est tout. Hein. On vient de le voir il y a 10 secondes, tout à l'heure. Hein. Voilà, quoi. La... la caravane qui nous appelle en disant oui, excusez-moi pour le retard, j'ai eu votre message, désolé. Alors, oui, ben, oui, c'est de la mauvaise foi plutôt, non? Oui, là, c'est pas fair play, quoi. Je veux dire, c'est pas correct. Je veux dire, voilà, c'est un peu comme la personne qu'on a eue de l'autre caravane que j'ai eue et qui ah oui, sur Facebook. Hein. Voilà, qui est totalement incorrect. Mais bon, après, personne n'est parfait, comme on dit, donc voilà. Que faire contre, face à des manipulations? Alors, comment réagir face à ça? Bah, déjà, il faut se rendre compte de la manipulation. Mmh. Parce que c'est jamais évident, quoi, de. Parce qu'une manipulation, c'est comme un lavage de cerveau, quoi. Hein, je veux dire, hein, on fait ce qu'on veut de toi, quoi. Hein, je veux dire. Donc, il faut s'en rendre compte, mais c'est pas évident. Est-ce que tu penses, alors je vais revenir sur ce que j'ai dit, ce que je t'ai posé comme question au début, est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui te manipulent, sur ta générosité? Je pense. Ça veut dire que faire le très gentil devant toi, c'est-à-dire, voilà, faire le très gentil, le très ami, le très copain devant toi. Tiens, je vais faire le très gentil, histoire de qui me rend service. Et après, par derrière. Et bah, ah oui, oui, bien sûr. Bon, après, généralement, ça dure pas très longtemps. Parce que bon, on fait le gentil. Tu le détectes quand même, la maison? Oui, je le détecte assez facilement. Et puis, si c'est pas moi qui le détecte, c'est d'autres personnes. Et généralement, j'ai des retours, quoi. Donc, voilà, quoi. Comment, c'est pas facile comme question, mais comment on peut détecter quelqu'un qui manipule? Bah, écoute, moi j'ai une personne qui m'a toujours dit, depuis que je connais cette personne, qui m'a dit pendant des mois et des mois, « Ouais, j'ai mon permis, ça te dérange pas de me prêter ta voiture et tout ?» Ça m'a fait quelque chose. Il n'y a pas de souci. Moi je te la prête, je te fais confiance et tout, tu me dis que tu as le permis et tout, je te fais confiance, je demande pas à vérifier. Jusqu'au jour où j'ai conseillé cette personne-là, et je lui dis, parce que cette personne m'a dit « Ouais, j'ai toujours pas reçu mon papier pour le permis, enfin de, comme quoi qu'on m'a restitué mon permis et tout. » Je lui dis, bah attends, tu vas me le faire voir ce papier et tout. Je lui dis, ouais, bah, ah ouais, mais non, mais là, je fais, non, t'as jamais eu le permis. D'accord. Et cette personne-là m'a avoué en pleurant, oui, j'ai jamais eu mon permis. Et pourquoi faire ça? Pour profiter de ta générosité? C'est peut-être aussi pour se donner une image de dire, ouais, je suis comme toi et tout. Mais non, t'es pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans? Bah, y a rien à y gagner, quoi. Parce que le problème, c'est que, ben, après, tu te fâches, quoi. Tu te fâches parce que tu te sens trompé, tu te sens beaucoup de choses, et puis tu te dis que cette personne-là aurait pu te mettre dans un embarras monumental. Notamment cette personne-là par rapport à son permis, parce que vu qu'elle cette personne-là prenait son enfant avec sa femme et tout dans la voiture, comme j'ai dit, mais c'est de l'inconscient. J'ai dit, t'as un accident avec, un, t'as pas le permis, deux, t'es pas assuré, trois, t'as ta femme et ton gosse dans la voiture, et en plus, c'est moi qui suis dans la merde parce que c'est mon véhicule, quoi. Donc voilà, je lui dis, toi, les torts, tu les auras pas, c'est moi qui va tout avoir dans la tête, donc voilà, quoi. Et en plus, je te fais confiance. Alors, est-ce que pour toi, alors on va pas tarder à conclure, est-ce que pour toi la timidité est une maladie? Moi, je pense pas considérer ça comme une maladie. Je pense que tout le monde est timide. La timidité, tout le monde l'a. Et après, bon, il y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité de la vaincre, quoi, tout simplement, quoi. Pour moi, je trouve pas ça, je la vois pas comme une maladie, quoi. On dit que plutôt la timidité, alors ça c'est la psy qui répond, c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. Oui, bah voilà, oui. C'est ça. Après, la timidité a aussi son charme, quoi. Je veux dire, moi, je connais des personnes qui sont timides et j'adore, quoi. Je veux dire, parce que justement, j'en joue beaucoup, quoi. Je veux dire, j'ai dit, t'oses pas, hein. Bon, je taquine beaucoup, je suis quelqu'un qui taquine beaucoup, sans être méchant. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est quand même mignon aussi, une personne qui est assez timide, parce que justement, c'est drôle, quoi. Alors là, ce que dit un psy, pour être exact, il dit que la timidité, c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère que l'on pourrait définir par une introversion. Les personnes timides ont besoin d'un temps de réflexion pour réagir et s'adapter à une situation. Le seuil de déclenchement du stress provoqué par ce qu'ils identifient comme un danger réel ou émotionnel est plus bas que la moyenne.
À l'inverse, les explorateurs ou extravertis ont tendance à foncer face à la nouveauté. Les uns comme les autres ont leurs forces et leurs faiblesses, tout simplement. Certes, les timides prennent moins facilement des risques, mais leur faculté d'analyse, d'analyser les problèmes et de réfléchir avant d'agir ou de parler peut être appréciée. Mmh. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le psy qui dit ça. Et on dit aussi qu'il faut pas, il faut distinguer timidité et phobie sociale. J'en arriverai après sur la phobie sociale. On dit que la timidité, voilà, il faut distinguer de la phobie sociale qui trouve souvent ses racines dans des rencontres négatives durant l'enfance, des camarades malveillants, une humiliation à l'école, des relations difficiles avec un parent, etc. La grande différence entre un timide et un phobique social réside dans le fait que le timide a envie de créer du lien, d'aller vers l'autre, tandis que le phobique, lui, développe à l'inverse des stratégies d'évitement qui peuvent aller jusqu'à l'incapacité totale de sortir de chez lui. N'est-ce pas ? Bonjour. Ah mais je le sais, je l'ai assumé, hein. je l'ai dit que j'ai une phobie sociale, je l'ai dit depuis longtemps. Donc, oui, parce que je te pousse assez pour ça, quand je te dis, sors un peu de chez toi, là, sors ton trou. Et... Alors c'est bizarre, parce que je suis pas phobique sociale au niveau de la radio, mais c'est différent, parce que je suis pas à la rencontre des personnes. Puis même la radio, t'es dans ton fief, quoi, je veux dire. Donc, t'es chez toi, t'es dans un espace où t'es sécurisé. Tu sais que t'es sécurisé. C'est pas comme si t'allais faire une émission radio en plein air, quoi. Là, ça serait plus délicat en plein air. Hein. Ah oui, c'est sûr, oui. T'y crois, toi ? Ah, ça serait marrant à faire. On l'a déjà fait une fois, je m'en souviens avec BDC One, mais c'était il y a longtemps. Mais je serais comme ça, j'aurais l'espace Mardou. Ça serait drôle. Ça serait drôle, mais alors, par contre, bien sûr, avec un temps, et puis pourquoi pas, alors je suis en train d'y penser, pourquoi pas le faire en août ? Oui. Barbecue, bonjour, et à condition, bien sûr, que la météo, nous... Oui, voilà. Puis, ah, mais t'imagines la logistique qu'il faut, là ? Ah oui, bon courage. Mais il faut savoir ce que tu dis, hein, dans ce cas, il faut savoir. Hein. Non, mais j'envoie ça comme ça, mais ça, c'est vrai que ça serait pas mal. Ah bah, si je vais dans ton sens... Moi, personnellement, ça me gênerait pas. Le plus qui serait gêné, c'est ça. Par contre, le matériel, ça va être chiant à emporter. Ça, puis ouais. Le problème, c'est que t'as oublié un détail. On peut pas le faire dehors. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas Internet dehors. Ah oui, bah oui, mais ça. Eh oui, il faut y penser à ça. Ah oui, mais bon. La radio, c'est pas FM. Je tiens à le redire. Alors, on identifie quatre grandes catégories d'appréhension sociale. Donc, ça, c'est ce qu'elle a aussi souligné, le psychiatre, et tu vas me dire ce que t'en penses. Il y a la peur de la performance. Est-ce que ça te parle ? Ça, c'est le premier point. Peur de la performance. Ça veut dire quoi pour toi ? Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est moi dans la tronche, ça. Ouais, c'est d'être peur de pas être au top, de pas... C'est pas ça. C'est la peur de l'échec et l'incapacité à parler en public. Voilà, ça, c'est fait. C'est bon, c'est dit, c'est fait. Mais au moins, j'assume. Ouais, au moins, tu vois, j'accepte totalement mes défauts. Ouais. C'est ce qu'il faut toujours accepter. Mais j'ai pas peur de le dire, en plus. Justement. Ah, tu vois bien, hein, quand on a été à Aix, je te dis, ouais, tiens, vas-y, et tout. Je dis ouais vas-y, en public, c'est pas j'ai pas insisté, tu vois, parce que je le sais très bien. J'aurais pu te dire bah écoute, tu veux pas, moi je prends pas la parole. C'était pareil pour le film La Sorcière et l'Ourson, je pouvais pas, j'y arrive pas, mais c'est pas, je n'y suis pour rien. C'est une maladie, c'est une phobie, je n'y arrive pas. C'est dur hein, de dire ça, mais après je pense que c'est le vécu qui m'a fait ça aussi. Alors après, deuxième, on me dit la peur de la révélation de soi, peur de se dévoiler si tu préfères. Parce que t'as peur de te dévoiler. La preuve que moi, non, puisque je l'ai fait. Donc, moi, en tout cas, j'ai pas peur. Est-ce que toi, t'as plus non, peur moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas peur de me dévoiler, personnellement. Ouais. Oui, nous aussi, on t'aime. Hein. Merci, merci. Moi, j'ai pas peur de me dévoiler, parce que bon, sinon, j'aurais pas pris une prise de parole à Aix, par exemple. Mm-hmm. Voilà, mais te dévoiler sur ta personne. Non, moi non, j'ai pas peur, parce que même quand je parle ou des trucs comme ça, donc je dévoile de ma personnalité, donc... Est-ce que tu aurais peur, par exemple, à la radio ou en public, de dévoiler tes défauts ? Non. Est-ce que tu dirais haut et fort, voilà, j'ai des défauts et je les assume ? Aïe, pardon. Ah oui, totalement, oui, oui, bah bien sûr, moi il n'y a pas de... Enfin, j'ai toujours assumé mes trucs, donc je vois pas pourquoi je le ferais pas, quoi. Donc ça, il faut pas avoir peur. Faut vraiment accepter ses défauts et l'affirmer. Bien sûr. Ben justement, c'est ce qui fait sa propre personnalité, quoi. Après, troisième point, il y a la peur de l'affirmation de soi, c'est-à-dire la peur du conflit de dire non. Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est moi. Alors là, on y est en plein dedans, là. La peur d'affirmation, peur du conflit, non. Non. Mais la peur de dire non, ça, on sait pas pourquoi. Bah, ça a toujours été. C'est bizarre. Ça, il va falloir chercher très loin. Mais moi-même, je peux pas trouver, donc. Ah, parce que même toi, tu sais pas pourquoi. Ah non, je sais pas, moi. J'en sais rien. Moi, j'ai toujours dit oui, depuis que je suis petit. J'ai toujours dit oui. T'as toujours, donc, tu dis non, mais sauf quand on te fait des demandes. Voilà, c'est ça.
c'est oui, ou alors quand on abuse trop, quoi, je veux dire comme une certaine personne, hein, voilà, tu peux me dépanner, ouais ouais, y a pas de souci, je te dépanne. C'est ça, voilà. Et à un moment donné, bah tu coupes les robinets, quoi, parce que voilà, bah t'as pas forcément le retour derrière, quoi. Et histoire de déstabiliser deux fois plus. T'en as honte de demander aux personnes. Ah, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est voilà. Tu m'as dit hier soir, ta fierté qui a pris un sale coup. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu pastis hier soir, t'es tellement que t'as eu honte. Non, j'ai pas besoin de me torcher la figure pour parce que j'ai honte d'avoir demandé. Non, c'est pas du tout. Mmh. Mais oui, la fierté m'a pris un coup dans la tête. Voilà. Parce que tu crois que pour les autres c'est con. Alors d'après toi, quand on vient vers toi pour te faire des demandes, d'après toi, et comment ils sont? Bah je sais pas parce que généralement, enfin voilà, c'est fait naturel, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil quand il y a une personne qui vient te demander, t'as la façon, tu sais, le côté un peu gêné, tu vois. En fait, de toute façon, t'as deux types de personnes. La personne qui en profite. C'est-à-dire que proprement du terme, puis t'as celle qui arrive qui va te dire tiens, tu peux pas me dépanner de ça et de ça, voilà, et puis t'as la personne qui va venir qui va te dire bien gêné, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est la peur d'observation, c'est-à-dire la peur du regard de l'autre sur soi. Et ça, malheureusement, ça c'est inévitable. Oui, mais c'est inévitable. On peut pas empêcher les gens de pas regarder. Hein. Alors on dit que les timides peuvent avoir toutes ces appréhensions, mais pas nécessairement. Les quatre que je viens de dire. Mmh. Oui, c'est possible. Certains n'en auront qu'une ou deux parmi les quatre et n'auront pas de difficulté à parler d'eux, mais seront tétanisés devant un micro. La preuve que non. Je suis pas timide. Par contre, moi, tu vois, je suis phobique, mais pas timide, en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Sinon, je serais timide, j'arriverais pas à m'affirmer à la radio. C'est un exemple. Par contre, je suis phobique en public. C'est différent. Mmh. Tu vois la différence entre les deux, en fait. Bien sûr. C'est pas la même chose. Alors que moi, non. Ni l'un ni l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Ça, quoi, en fait. C'est ça, même à la rigueur, voilà, une fois que je suis devant, quoi, je veux dire. Hein, et puis, si tu sais que tu tiens la foule, tu tiens tout, quoi. La foule, normalement, en plus, et tu imagines la phobie sociale plus la peur de la foule, je peux mourir, hein. Alors, moi, j'ai la totale, moi, franchement, j'ai pas eu de chance. Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est. Une fois que tu tiens le peuple dans tes mains, tu l'as, quoi. Alors, on dit que la première étape pour surmonter sa timidité et parvenir à trouver sa place, que ce soit dans un cadre amoureux, amical ou professionnel, consiste à accepter ce trait de caractère. Et donc, en gros, il faut accepter d'être timide. C'est ça. Est-ce que tu acceptes d'être timide? Mm-hmm. Moi, oui. Ah oui, totalement. La preuve. Là, on peut qu'accepter puisqu'on on l'assume et on le dit de façon claire, nette et précise. Après, il y en a d'autres, malheureusement, c'est pas le cas. Dès lors que l'on s'assume comme une personne naturellement introvertie, on n'a plus la même vision de ses expériences et l'on interrompt ce discours intérieur négatif. Par exemple, je suis nul, je suis pas capable de prendre la parole, de me faire des amis, etc. C'est un exemple. Oui, oui. Est-ce que t'as déjà eu affaire à ce genre de cas, par exemple? Moi, non. Alors, je suis pas capable de prendre la parole, ça c'est moi, ça. Oui. Je suis nul, ça peut m'arriver. Par contre, de me faire des amis, tout le monde est capable d'en faire des amis. Faut-il encore vouloir aller vers l'autre? Est-ce que tu te dis souvent que t'es nul? Est-ce que ça peut t'arriver? Ça m'est arrivé, mais bon, après, je me dis, ouais, bon, ben, t'as essayé, et puis voilà, ça a pas marché. D'accord. C'est tout, mais c'est pas après une question d'être nul, quoi. Alors, par contre, désolé de te dire ça. Il y a une autre erreur à ne pas commettre, c'est vouloir à tout prix s'imposer. Oui, bah oui. Aïe, aïe, aïe. Là, aïe. Ah ouais, bah ça m'arrive hein, de vouloir m'imposer, hein, de dire, bah ouais, bah écoute. Mais je m'impose quand je sais que, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je sais que je suis dans mon plein droit, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu me feras pas manger la couleuvre si je sais pertinemment que je suis droit dans mes baskets. Alors que tu t'imposes, c'est tout à fait normal. Mais après, est-ce qu'il faut imposer les autres à être à ton niveau? Ah, j'impose. Alors j'évite d'imposer les gens à être mon niveau. Je veux dire, on a tous, c'est comme à la radio, quoi. Je veux dire, on a tous une façon différente de s'exprimer, voilà, de formuler certaines phrases et tout. Je force pas. Après, quand je vois que ça tourne autour et que qu'il y a un moyen plus rapide d'y arriver, bon, ben, je vais dire, attends, ben oui, tu veux faire ça, quoi. S'affirmer en étant autoritaire. Est-ce que ça peut être pas mal? Ouais, mais faut pas non plus. Faut pas aller dans l'excès, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire sans prendre trop de place, sans en faire trop. Il faut savoir, voilà, quand on discute, il faut savoir parler et il faut laisser la place aux autres aussi et pour qu'ils puissent s'exprimer, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil, quoi.
on a aussi souvent, ou alors il y a aussi les autres, alors, je ne sais pas si c'est ton cas, les autres peuvent avoir un niveau d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes trop élevé. C'est possible. Moi, c'est pas mon cas. Hein, est-ce que tu exiges, est-ce que t'as un niveau d'exigence élevé envers les autres? Non. Non, non, c'est chacun à son niveau. Et on dit, et peut-être avant d'exiger quoi que ce soit des autres, il faut d'abord être exigeant sur soi-même. C'est ça. Donc. C'est ça. Après, tu vois, quand on a eu, quand on a été voir le film La sociologue et l'ourson, mm-hmm. quand il y a eu ce débat après, quand j'ai pris la parole, c'était plus pour casser. Pour être parce que j'étais pas d'accord avec ce qui avait été dit par ah oui par la personne par la des, fille par une personne mm-hmm. et j'ai été finalement après j'étais en colère envers moi-même parce que je n'ai pas pu dire finalement vraiment ce que je voulais dire, mon ressenti, etc., etc., ce que je t'avais dit quand on était sorti de la salle mm-hmm. que j'étais super j'étais pas franchement fier de moi, j'étais pas content de moi, j'étais t'arrivais pas à trouver les mots, mais là c'est différent. Ouais, mais voilà, c'est vraiment pas être satisfait. Et puis bon, t'avais l'émotion qui a parlé. En fait, c'est l'émotion qui a pris le dessus et t'arrivais plus voilà. finalement à, c'est ça. À et trouver puis, les mots, en fait. Et puis même, à un moment donné, je sentais que je me perdais dans ce que je disais. Donc mm-hmm. du coup, j'ai préféré couper, mm-hmm. en fait, couper net. Et parce que j'avais perdu le fil de tout, quoi. C'est dur quand l'émotion prend le dessus. Bah, ah, ça, c'est dur. C'est parce que tu perds le fil, quoi. Donc, et quand tu sens que tu perds, bah, c'est fini, quoi. Donc après, au lieu de partir dans des trucs, dans une thèse, de l'antithèse, de la surthèse, bah, vaut mieux noyer le poisson et couper court. Quoi. Alors après, il faut savoir gérer ses émotions, mais c'est trop facile, c'est pas possible. Ça, je crois que c'est bah, pour moi, c'est quasi impossible. Pour des personnes très émotives comme moi, par exemple, c'est dur. Et je pense que c'est quasi impossible pour tous, je pense, parce que c'est trop facile à dire et à faire, mais c'est pas possible. C'est comme si que c'est comme si que t'étais finalement insensible. Donc gérer ses émotions, c'est comme si que t'étais insensible. C'est ça. Mais non, je suis loin d'être comme ça. Donc c'est tricher quelque part. Oui, c'est ça. Moi j'aime pas. Et puis est-ce qu'il faut tricher dans ses émotions? Non. Il faut tricher? Non, bah non. C'est pas être honnête envers soi-même de toute façon. Donc voilà. Et ne pas être honnête non plus envers les autres. Oui, bah, deux choses, c'est pareil. Autre phrase qu'on dit, j'ai toujours l'impression. C'est une phrase qui est comme ça. Hein. Mm-hmm. J'ai toujours l'impression que j'en ai pas assez et que je vais être ridicule si je tente de lancer une idée en réunion. Est-ce que t'as peur de lancer une idée et t'as peur des critiques ou de te ridiculiser en lançant une idée? Non. Non, parce que généralement, je dis, et puis bon, bah, adviendra ce qu'adviendra, hein, qui tente rien à rien, comme on dit. Mm-hmm. Après, j'en connais qui sont comme ça, oui, bien sûr. On ne citera pas. Mm-hmm. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Autre phrase, on dit, du coup, je préfère me taire plutôt que d'essayer. Mm-hmm. C'est-à-dire, justement, on revient sur la phrase précédente. C'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut vraiment s'affirmer ou se taire? Non, il faut. Quand t'as une idée. Il faut tenter l'idée. Toute idée est bonne à prendre. Voilà, hein, c'est comme un mister, hein. Quand il dit oui, vous faites tout, et puis moi, donne tes idées. Après, on analyse tout ça. Même nous, on n'est pas, on n'a pas la science infuse, quoi. Je veux dire, hein, on a des idées. Bah après, on voit ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut faire avec, quoi. Je veux dire, toute idée est bonne à prendre. Donc, on dit aussi dans une relation, c'est la rencontre qui est intéressante et pas nécessairement le contenu des échanges. Donc c'est la rencontre qui est le plus important, oui. Et pas les échanges. C'est ça. Est-ce que ça t'es d'accord? Finalement, ça revient à Facebook, finalement. Oui, c'est ça. Après, tu peux rencontrer des personnes et discuter avec. Bon, après, forcément, ce que la personne va te dire, ça va peut-être te dire, ouais, ben, finalement, je ne la pensais pas comme ça, tu vois, je la pensais différemment. Bon, voilà. Les relations ne marchent pas toujours, il y a forcément des affinités. Est-ce que c'est franchement les affinités qui créent des liens? Non, moi je pense que... Est-ce qu'on a le droit d'être différent pour faire des rencontres et pour fonctionner ensemble? Justement, c'est ce qui fait la diversité, c'est ça qui est bien. Non, parce que ça, je comprends pas, c'est pas des affinités, j'arrive pas à comprendre ce mot, en fait, finalement, parce que c'est pas parce que t'es pas forcément d'accord ou que t'as pas les mêmes parcours ou les mêmes tout ça, que tu peux pas solidifier cette rencontre et la continuer. Et ça, je la comprends pas. J'ai du mal à comprendre ça, en fait. Et c'est souvent ça. Ah, mais j'ai pas d'affinité avec toi. En plus, on parle d'affinité en virtuel. On peut pas avoir d'affinité en virtuel. Non, donc, de toute façon, comme, bah, voilà, sur les réseaux sociaux, toute personne que je connais, c'est des personnes que je connais physiquement. Déjà, donc que j'ai déjà vu, quoi. Donc il n'y a pas d'affinité. Oui, j'ai plus d'affinité avec certaines personnes qu'avec d'autres, parce que je les côtoie plus que d'autres, mais c'est tout.
Alors, je vais faire deux choses pour finir. Donc, je vais d'abord faire un petit sondage. Peut-être que tu n'étais pas au courant. 60% des Français seraient timides, mais tous n'en souffrent pas dans leur vie quotidienne. On peut en réalité affirmer que 100% de la population a vécu à un moment ou un autre sa vie en une situation qui l'a mis un peu mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, tout le monde y aurait vécu. Mmh. Mais le passage à la phobie sociale est avéré en trois critères qui sont réunis. Alors, j'en parlerai juste de la phobie sociale, j'en parlerai juste après en plus détaillé. On parle de l'intensité de la peur qui est extrême, proche de la panique. Cette peur envahit toute votre vie, tout votre esprit. À tout moment, vous vous mettez à anticiper les événements. Et peu à peu, cela devient un vrai handicap dans votre vie professionnelle et personnelle. Vous refusez une promotion, vous vous faites porter absent aux réunions. Vous n'osez pas aborder une personne du sexe opposé. Alors ça, non, c'est faux, vous privant d'une de vie amoureuse. Alors la peur s'exprime en trois domaines. D'abord physiquement, il y a le cœur qui bat fort, les mains qui sont moites, des rougissements qui surviennent. Ces individus finissent par être encore plus paniqués à l'idée de ces signes qui puissent révéler leur état, ce qui les renforce de leur crainte. Ensuite, deuxièmement, il y a ensuite les signes psychologiques qui s'expriment par des pensées négatives. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, ce que je dis est stupide, je n'intéresse personne, etc. Enfin, au niveau du comportement, les personnes atteintes de phobie sociale évitent les situations et les personnes en allant jusqu'à les anticiper. Ça, c'est vraiment le cap supérieur, ça. Il ne faut pas négliger les complications de cette maladie qui est déjà en elle-même une souffrance. Avec l'apparition de troubles associés, le risque de dépression est ainsi multiplié par 4 ou 5. Décidément, j'ai pas de chance. Et l'on constate une forte consommation de substances. Ça, c'est faux, par contre. On constate une forte consommation de substances qui calme un peu l'angoisse, en particulier l'alcool, mais aussi de la drogue et des tranquillisants. Les tranquillisants, oui. Mais par contre, le reste, je suis pas d'accord. Après, ça dépend, ça aussi, c'est du cas par cas. Il y a des facteurs génétiques, mais aussi éducatifs. Par exemple, si les enfants évoluent dans un environnement où ils sont surprotégés et où on leur répète sans arrêt de se méfier des étrangers, le comportement des parents compte aussi s'ils reçoivent peu de monde, fuient les contacts, craignent aussi de décrocher le téléphone, sont peu à l'aise en public et imposent l'idée qu'il faut faire attention à son image. Donc, ça peut être aussi dû à l'éducation, malheureusement, le côté phobie sociale. Par exemple à l'école aussi ou même dans la vie courante, on dit aussi là on va vers les enfants, t'as pas honte de ce que t'as fait ou alors t'es qu'un nul. Alors là t'es qu'un nul, le rabaissement, vas-y hein, oui, c'est sûr. Et ça aussi ça n'arrange pas la situation. Lorsqu'on est malade, il existe des antidépresseurs qui sont très efficaces, mais que je recommande pas forcément parce que malheureusement ça t'isole encore plus, les antidépresseurs, c'est ce que je dis souvent. Donc cette phobie sociale concerne environ 5% des Français. 5% de la population française souffre de phobie sociale. J'en fais partie. Bonjour. J'assume et je le revendique et j'ai pas peur de le dire. Mais les origines de ce trouble restent encore méconnues. La phobie sociale paraît très tôt, avant l'âge de 25 ans généralement. Est-ce que tu étais au courant de ça? Non. Donc ça t'étais pas au courant. Sachez, il faut savoir aussi que un phobique sur 5 connaîtra ainsi la peur des autres avant l'âge de 5 ans. Ouais, c'est statistique quand même, hein. Et 1 sur 2 avant l'âge de 15 ans. Ça par contre je l'ai vécu avant 15 ans. Moi c'est 5 ans, je l'ai pas vécu, mais 15 ans ça je l'ai vécu. D'ailleurs le pic d'apparition des phobies sociales apparaît entre 11 et 15 ans, donc à l'adolescence. Il y aurait peut-être un lien avec la puberté, c'est ce qu'on dit, car les changements corporels sont souvent une source de mal-être à l'adolescence. D'ailleurs on connaît notamment l'anorexie, la dysmorphophobie, je connaissais pas. Or difficile d'affronter le regard des autres lorsqu'on a du mal à affronter son propre regard. Mais ces modifications à la puberté ne peuvent expliquer à elles seules cette peur panique d'autrui. Des vulnérabilités génétiques favoriseraient les risques de développer une phobie sociale et les comportements effacés vont plus facilement souffrir de ce trouble. Donc la peur de l'inconnu, la manque de confiance en soi et d'estime de soi aussi sont autant des traits de personnalité caractéristiques de la phobie sociale. Ce manque d'estime de soi est souvent lié à un manque d'encouragement et de soutien des parents durant l'enfance. Et d'ailleurs, l'éducation joue un rôle prépondérant dans l'apparition de la phobie sociale. Ainsi, des proches qui surprotègent leur enfant et limitent ses rencontres avec l'environnement extérieur peuvent favoriser la peur de l'autre. Ça aussi, c'est très important de le dire. C'est notamment le cas si les parents sont eux-mêmes atteints de phobie sociale. Je suis pas forcément d'accord avec ça, par contre. Mais il existe d'autres aspects de la phobie sociale dont il est difficile de définir les liens de causalité avec l'apparition de la maladie. Ainsi, la phobie sociale touche plus les femmes que les hommes, sans qu'on sache réellement pourquoi. Autre constat, c'est que la plupart des phobiques sociaux vivent seuls.
C'est ce qu'il dit. Mais là encore, difficile de savoir si, si la cause ou la conséquence du trouble. De même, cette peur des autres est souvent rencontrée avec d'autres maladies sans que l'on puisse déterminer les liens à cause, de cause à effet. Oui. Donc ainsi, la dépression et les troubles anxieux sont fréquents avec la phobie sociale. De même, on retrouve plus de problèmes liés à la consommation, d'alcool. Mais dans ce cas, le phobique utiliserait plus ou moins consciemment la boisson comme traitement pour essayer de se désinhiber. Dans tous les cas, il faut savoir que des traitements efficaces existent contre la phobie sociale associant psychothérapie et médicaments, c'est-à-dire les anxiolytiques. C'est ce que j'ai. Pour ne pas avoir peur des autres toute sa vie. Malheureusement, c'est pas forcément fiable. Enfin, si, c'est fiable, mais par contre, c'est pas ça qui va te t'enlever de l'isolement, malheureusement. Donc voilà la phobie sociale. J'espère que j'étais un petit peu, parce que ça, t'étais pas, t'as jamais vu à quoi correspond la phobie sociale, je suppose. Non, non, non. Donc tu me connais depuis presque 4 ans, mais t'as jamais été curieux de savoir à quoi ça correspondait en fait. Non. Non. Maintenant, tu le sais. Non, parce que bon, voilà, c'est comme on dit, c'est pas un truc qui est forcément connu et reconnu. Donc, puis c'est pas un truc qu'on entend couramment, ouais. Voilà. Mmh. Donc, c'est très rare qu'on entend parler de phobie sociale, quoi. Je veux dire, après, voilà, quand tu connais bien le truc, bon, ben ouais, tu vois un peu mieux, quoi. Voilà, tu as terminé le sujet. Est-ce que tu veux qu'on fasse une conclusion ? Ben écoute, moi je dis qu'il faut être soi, sans essayer de donner une image qui n'est pas la sienne et se faire respecter et puis voilà. Alors se faire respecter et respecter aussi en même temps. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut faire les deux. Ça, c'est le fameux respect d'autrui, le respect. C'est ça. Alors évidemment, être timide, c'est plus, comme on dit depuis le début, c'est plus facile à dire qu'à faire que de ne pas être timide. Oui, c'est ça. Voilà, ne pas se dire que c'est pas parce qu'on est timide qu'on est malade. La timidité, ben on a tous une façon de la vaincre d'une manière ou d'une autre et à un rythme différent qu'une autre personne, quoi. Alors c'est certes, il faut avoir confiance en soi, faut assumer ce qu'on est, accepter ses défauts, quoi qu'il en soit. Et pas hésiter à forcer, quoi, je veux dire, un petit peu à surjouer, tu veux dire, ouais, peut-être. Ouais, et puis à se dire, bon, allez, j'essaye, et puis qui vivra verra, quoi, je veux dire, je tente, et puis voilà, quoi. Je veux dire, il y a que celui qui fait rien qui arrivera à rien, quoi. Donc, je veux dire, qui tente rien à rien, et puis voilà, ça passe pas, ben, vous réessayerez différemment la prochaine fois, quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.